tous, bonjour et bienvenue dans ce visio rendez-vous. AG2R, la mondiale, la CARSAT-Rhône-Alpes, la Ligue d'athlétisme, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme et l'Institut des rencontres de la forme s'associent pour vous proposer CapForm Senior, ce programme que vous connaissez sûrement, et pour vous proposer aujourd'hui cette conférence donc intitulée « Explorer le mouvement ». Pour bien vivre. C'est une conférence qui rentre dans le cadre du programme CapForm Senior. Ce programme, hein, vous le savez, qui est destiné à accompagner les seniors sur le chemin du bien vivre. Alors je sais que vous êtes déjà très très nombreux à nous suivre. Vous étiez déjà très nombreux à vous inscrire pour participer à cette conférence. Plus de 600. On est vraiment ravis. Et là, je me tourne tout de suite vers vous, Jérôme. Jérôme Villon, vous êtes le directeur de la Ligue d'athlétisme en Auvergne-Rhône-Alpes. On va le voir tout à l'heure, dans quelques instants, c'est Emmanuel Delesserre qui viendra prendre la parole, le philosophe. Vous avez souhaité proposer, offrir un regard, un contenu philosophique. La philosophie et le mouvement, ça va bien ensemble. Expliquez-nous pourquoi. Bonjour à tous déjà et bonjour à tous les internautes et merci à vous d'être si nombreux effectivement aujourd'hui. Oui, on a souhaité aujourd'hui traiter le sujet de manière un petit peu décalée. Parce qu'effectivement, ce webinaire s'inscrit dans le cycle CapForm Senior qu'on a entamé il y a déjà plusieurs mois. Et c'est vrai que porté par la Ligue d'athlétisme Auvergne-Rhône-Alpes, on traite le sujet souvent par le prisme de l'activité physique, ce qui peut paraître logique, ça fait partie de notre ADN. Mais quand on parle de prévention, de bien-être, de bien vivre et de bien vieillir, il y a beaucoup d'autres dimensions qui rentrent en jeu que l'activité physique et beaucoup d'autres effectivement, dimensions. Et ça nous semblait intéressant. Important, pertinent de traiter le sujet de manière un petit peu décalée avec Emmanuel Delesserre pour nous permettre de réfléchir un petit peu différemment et de faire réagir un petit peu l'ensemble des gens qui nous suivent et nous-mêmes par la même occasion. Bon, alors on va lui donner la parole évidemment dans un petit instant, vous allez voir, c'est pertinent en effet. Juste après, nous serons ici en plateau avec vous pour échanger autour de ces questions de l'exploration du mouvement. On partira bien sûr des concepts ou des notions philosophiques qu'Emmanuel Delesserre nous aura servi sur un plateau pour aborder plus précisément pour vous qui nous regardez, cette question de l'activité physique avec Claire Talowski qui est responsable des activités sociales en Auvergne-Rhône-Alpes pour AG2R La Mondiale, avec Lucille Billan qui est responsable du département prévention senior à la CARSAT Rhône-Alpes et avec vous, Jérôme, hein, vous nous rejoindrez évidemment sur ce plateau également. Je voudrais vous dire que vous pouvez poser vos questions, ça c'est important, n'hésitez pas, posez vos questions sur le chat, j'essaierai de les transmettre directement à nos invités pendant tout le long de cette conférence. Vous pouvez même nous donner quelques remarques si vous les avez. N'hésitez pas à nous faire des compliments, on adore ça. Antoine, qui est en voix off également, pourra se faire le relais, vous l'entendrez probablement dans le courant de cette conférence, le relais de vos questions. Je vais laisser la parole tout de suite à Emmanuel Delesserre, philosophe, donc c'est un savoyard, le savoyard de l'étape. Il est professeur de philo également. Pour bien vivre, on est très curieux de l'entendre explorer le mouvement. Il a écrit un livre, le dernier en date, aux éditions Marabout. C'est Oser faire confiance. Vous pourrez aller jeter un œil sur Internet pour tout savoir sur lui. Emmanuel Delesserre, tout de suite. Eh bien, bonjour à tous. Alors, je tenais à vous remercier la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme pour cette invitation, ainsi que la CARSAT et AG2R. Donc, je suis très, très honoré d'être, alors, on va dire, parmi vous. Je ne sais pas trop comment, puisque vous n'êtes pas là, mais vous êtes là quand même grâce au virtuel. Et donc, je vous remercie pour cette invitation donc, à réfléchir sur cette thématique qui représente déjà
de la part de la Ligue Auvergne d'athlétisme une sorte de petit saut, de petit pas de côté, c'est-à-dire d'inviter comme ça à réfléchir ou à penser le mouvement. Peut-être qu'on aurait tendance au départ à dissocier les deux, hein, la pensée d'un côté, le mouvement de l'autre. Et donc ce petit pas de côté est une invitation pour moi à en faire un autre et puis à vous rejoindre avec beaucoup de plaisir. Donc je vous remercie en tout cas de me faire confiance, ça a beaucoup de sens. Évidemment, à mes yeux et puis en général. Donc, cette invitation que, voilà, que j'ai acceptée avec beaucoup de plaisir. Lorsqu'on m'a demandé de pitcher un peu l'intervention que je prévoyais de faire, eh bien, j'ai cette phrase de Daniel Herrero qui m'est revenue à l'esprit et qui m'a toujours beaucoup frappé. Hein. C'est cet entraîneur de rugby qui, avec son franc-parler, nous dit voilà, un camp qui marche va toujours plus loin qu'un intellectuel assis. Alors, je n'ai pas pris le bandeau aujourd'hui, mais on aurait pu. Et j'ai toujours aimé cette phrase parce que je la trouve fausse et en même temps, je la trouve extrêmement inspirante. Alors, ce qui est très inspirant dans la phrase de Daniel Herrero, c'est la remise en question de la hiérarchie ordinaire entre la pensée et le corps, hein, qui est très souvent mise en place, qui est pratiquement implicite, hein, dans nos activités, et qui veut que la pensée domine le corps et qu'elle soit et qu'elle régisse le mouvement. Et quelque part, dans cette idée que le con qui marche va plus loin que l'intellectuel assis, il y a une sorte d'implicite, ou en tout cas de provocation, qui nous invite à découvrir que peut-être le corps a sa propre sagesse et que le mouvement est une sagesse. Donc ce qui est assez inspirant finalement est déjà une petite provocation, une petite invitation à penser. Alors après, évidemment, pour ne pas laisser les choses sans réponse, moi je réponds volontiers. Un jour j'aimerais croiser Daniel Herrero pour qu'on en discute. Ce serait de lui dire, mais si certains cons pouvaient rester assis, ça ferait quand même pas de mal non plus. Hein, c'est-à-dire que le mouvement, bien sûr, il a une sagesse interne, mais il y a des mouvements qui sont délétères, qui sont catastrophiques, qui sont scandaleux. Et lorsque certains groupuscules ou certaines idéologies sont en marche, alors non, aucune allusion politique, mais lorsque le mouvement comme ça avec son inertie va dans une direction qui n'est plus pensée, ça peut devenir assez problématique. Donc cette petite anecdote pour démarrer nous permet déjà d'envisager au sujet du mouvement peut-être une double approche, celle d'un mouvement qui serait potentiellement positif, sage, qui serait épanouissant, humain, et peut-être aussi de l'autre de forme de mouvement qui serait pas forcément aussi positif que cela. Donc dans mon propos aujourd'hui, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est une définition peut-être de tout ce qu'on pourrait appeler les vertus du mouvement, des vertus qui vont être évidemment abordées d'une façon pas forcément physiologique ou pas immédiatement psychologique, mais un peu philosophique, avec quelques petits moments conceptuels. Vous êtes chez vous, donc vous pourrez tranquillement vous endormir jusqu'à ce que je reprenne, pas de souci, et je vous dirai peut-être quand j'ai fini le moment conceptuel, j'ai l'habitude qu'on ne m'écoute pas suffisamment au lycée, peut-être que je suis paranoïaque, et non, je plaisante. Et du coup, une fois qu'on aura établi quelques vertus philosophiques de ce mouvement, envisager aussi peut-être ce qui vient le freiner. Hein. Le processus du vieillissement, c'est quand même quelque chose qui vient taper très fort sur le moteur. Et le moteur, c'est le corps. Et il ne faut pas se leurrer. Hein. Le processus du vieillissement est une phase où le corps est impacté. Et fortement, et donc forcément, toutes les vertus de ce mouvement qu'on aura pu lister ou inventorier vont souffrir. Et donc, en troisième point de mon intervention, ce que j'aimerais, c'est aussi montrer en quoi la pensée peut servir le corps et essayer de mieux aborder cette question du vieillissement, les processus, on va dire, corporellement d'affaiblissement du vieillissement à travers une représentation plus précise de ce qu'est la liberté. Donc vraiment, sur un troisième temps, rapidement, j'esquisserai une reconnexion, une réconciliation entre la liberté, le corps, y compris le corps dans sa fragilité, peut-être afin de dépasser certains obstacles qui pourraient malheureusement conduire à des interruptions de mouvement ou à un mépris ou un abandon du mouvement. Voilà pour, en gros, le chemin que je vous propose aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, voilà, ce que j'aimerais, c'est définir ce terme. Qu'est-ce que c'est que le mouvement ? Le mouvement, c'est déjà tout d'abord un saut, hein, c'est une rupture et c'est la terminaison et la rupture avec le confort de la position de stabilité, le confort de la position immobile, un confort qui nous donne comme ça un socle lisible. Il y a une lisibilité, il y a une solidité, il y a une stabilité. Et évidemment, bouger, entreprendre quelque chose, s'engager, c'est décider d'aller affronter un déséquilibre. J'aime beaucoup cette définition de la marche. La marche est une succession de déséquilibres compensés. Donc bouger, c'est mettre en tension un système, c'est le mettre aussi un petit peu à la limite de lui-même jusqu'au déséquilibre, affronter, traverser ce potentiel déséquilibre, ce qui signifie qu'on va produire quelque chose de neuf et on va aussi produire une incertitude. Donc le mouvement, c'est vraiment la production presque délibérée d'une incertitude
que je me destine à assumer, c'est-à-dire qu'évidemment, ce n'est pas simplement un saut dans le vide, c'est un saut vers une prochaine étape de stabilité dont j'espère qu'elle me donnera effectivement satisfaction. Ce qui fait force aussi dans le mouvement, bien sûr, c'est que le mouvement va définir à la fois un sens et une vitesse, c'est-à-dire que le mouvement, il va vers quelque chose et il désigne ce quelque chose comme l'objectif, donc il donne la direction, hein. Il est très difficile d'aller quelque part hein, sans le mouvement. Le mouvement est précisément ce point qui va nous indiquer le but, donc on va vers quelqu'un, on va vers quelque chose ou on va vers un lieu. Donc le mouvement, il donne hein, la valeur à cette terminaison et de façon tout à fait importante. J'ai à l'esprit, par exemple, la très belle sculpture de Giacometti, Alberto Giacometti, un homme qui marche ou l'homme qui marche en 1960 et qui montre un petit peu toutes ces caractéristiques du mouvement que je voulais aborder déjà en ouverture avec vous. On y voit la fragilité hein, parce qu'il y a la production d'un déséquilibre et évidemment la vitesse hein, dont on parle dans le mouvement fait que le réel est présenté différemment. C'est-à-dire que le réel est pour nous quelque chose qui peut être neutre et effrayant, mais lorsque l'on avance, il l'est davantage parce que par le biais de la rencontre avec cette accélération, le réel devient plus résistant. C'est Jean-Paul Sartre hein, qui disait de façon étonnante, le rocher n'est un obstacle pour ma liberté que parce que j'ai décidé de le franchir. Il pourrait très bien ne jamais être un rocher si je le laisse dans son coin. Donc il y a aussi dans le mouvement une attitude hein, qui consiste à souligner ou à mettre en évidence peut-être une forme de résistance du réel. Donc dans la sculpture de Giacometti, qui est très célèbre et que voilà, je vous demande peut-être de visualiser rapidement, on voit aussi cette détermination. Moi, ce qui me frappe dans la sculpture de Giacometti, c'est que le mouvement est aussi la force de cette humanité qui, toute fragile hein, qu'elle est, parce que c'est ce que nous sommes, hein, fondamentalement fragile, eh bien, offre aussi une extraordinaire détermination dans la conduite de son mouvement et dans la recherche de son objectif. Donc c'est pour ça sans doute que cette statue est si réussie, parce qu'elle décrit à la fois hein, la détermination à avancer quelque part sur un sol fragile et rendu d'autant plus fragile par cet extraordinaire déséquilibre qui est la mise en danger de soi. Donc bouger, être en mouvement, c'est se mettre en jeu. Au sens presque mécanique du mot jeu, hein, c'est créer comme ça une disparité, une inadéquation et un décalage hein, dans l'espoir de produire quelque chose. Donc ce que l'on peut retenir de ce premier temps du mouvement, c'est cette dimension ouvrante, cette dimension initiatique, inaugurale. Bouger, c'est inaugurer quelque chose à la fois de spatial et bien sûr quelque chose de temporel, parce que ce qu'il faut voir avec cette notion de mouvement, c'est qu'elle est un des supports et un des centres et des piliers de la temporalité. Hein, bouger, ce n'est pas simplement un geste spatialisé, c'est un geste temporel. Et évidemment, hein, se mettre en mouvement, c'est déjà l'inauguration d'une nouvelle temporalité. Cela dit, je vais emprunter une deuxième image pour avancer un petit peu dans ma définition du mouvement, que je vais emprunter à la musique, parce que là, ce que j'ai pu décrire, ce premier moment, ça peut être aussi un geste. Or, le mouvement, c'est plus qu'un geste. Le geste, hein, il va être comme ça, isolé, interrompu, un peu prisonnier, un peu particulier, alors que le mouvement, il va ouvrir quelque chose de plus qu'une simple inauguration. Il va créer quelque chose de plus fort qui est la répétition. Et là, j'emprunte vraiment à cette notion de musique hein, que tout le monde a à l'esprit. Le mouvement musical, c'est une succession de tensions et de résolutions, c'est-à-dire un moment de déséquilibre qui annoncera et permettra ensuite d'arriver à des stations qui sont beaucoup plus apaisantes, mais qui sont prises dans un processus. Donc le mouvement, il est aussi un processus. Ce n'est pas simplement un geste isolé, c'est une répétition et une succession de gestes dont la dynamique elle-même est capable d'écrire et de fabriquer un temps très particulier. Alors, il est 14h, nous digérons un petit peu, mais quand même, c'est une idée qui, à mon avis, mérite qu'on y réfléchisse. Nous vivons dans une temporalité qui est en grande partie invivable parce qu'elle est celle du compte à rebours. Et si on vivait dans cette temporalité, que Téléphone, par exemple, a très bien chanté, le jour s'est levé sur cette étrange idée, si ce n'était pas un rêve qu'il faille s'en aller, dit dans voilà, le groupe Téléphone, eh bien, on ne vit pas dans ce temps-là. On vit dans un temps qui, si on regardait sans arrêt le compteur tourner, on ne supporterait pas. On vit dans un temps qui va être un temps beaucoup plus humain, qui est le temps du retour, le temps du cycle. Et qu'est-ce qui va justement établir les cycles? C'est précisément le processus du mouvement. C'est parce que je bouge que
la tension vers la stabilisation revient. Alors je vais vous le faire entendre parce que ça peut paraître abstrait, mais quand on prend une gamme par exemple de Do, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ben, le mouvement il est là. Si, Do. Et la stabilité revient parce qu'elle est attendue. Donc c'est cette mécanique finalement la tension et de la résolution qui habite tout le processus du mouvement, ce qui fait qu'on peut dire que le mouvement est créateur du temps, mais d'un temps qui est très humain, pas n'importe quel temps. C'est un temps où les choses vont revenir, un temps où les choses vont pouvoir se présenter à nouveau, un temps qui est celui que je qualifierais de l'attente. Hein, c'est bien par le mouvement qu'on peut aussi fabriquer des attentes, et on voit bien sur la partie par exemple que l'on vient de vivre, qui est assez désagréable en termes de confinement, que la neutralisation de notre mouvement n'a pas été simplement physique, c'est aussi une neutralisation de nos projections, parce qu'on ne sait plus exactement quoi attendre d'un monde dans lequel on ne peut plus bouger, on ne peut plus bouger ensemble, et on ne peut plus tout simplement tendre vers ces stases, vers ces étapes, vers ces phases de restabilisation. Donc ce qui est très intéressant, hein, sur cette approche du mouvement, c'est de découvrir que c'est peut-être le mouvement qui engendre le temps, et le temps qui nous intéresse le plus, hein, celui du cycle et celui de la répétition. Donc c'est cette notion peut-être aussi qu'on pourrait qualifier de rythme. Le mouvement est le porteur du rythme, et ce rythme est le seul élément qui rend nos vies aussi savoureuses, c'est-à-dire cette certitude, hein, que même si le cadre n'est pas forcément réjouissant et potentiellement tragique, de très belles choses, hein, sont à venir, hein, ce fameux temps des cerises, hein, qui nous est justement et qui est manifesté justement par toute cette ritualité. Donc le mouvement est le support de la ritualité temporelle, du retour des cycles temporels, hein, qui font finalement notre humanité. Donc je dirais, après avoir dit que le mouvement est un saut, je dirais que le mouvement est une danse. Et c'est une danse collective, c'est une danse avec soi-même, c'est une danse avec, hein, la tragédie du temps linéaire qui nous, malheureusement, qui nous condamne d'une certaine manière. Alors ça, c'est pour cette approche définitionnelle de cette notion très forte, hein, le mouvement comme support d'un temps très humain. Et je vais explorer trois vertus importantes, hein, du mouvement, qui sont des vertus, on va dire, un petit peu plus concrètes de ce qu'est le temps. Le mouvement est une, on va dire, dans un premier temps, un support absolument indispensable de notre identité. Et la structure même est une phase de structuration de notre identité. Ce que nous sommes, c'est un drôle de mélange de corps et d'esprit, d'idées et de matière. Et ce qu'on peut remarquer dans un premier temps, c'est que le corps, en tant que source, support, moteur et matière du mouvement, est le grand inconnu de nos vies. C'est à la fois l'intimité familière avec laquelle on évolue, mais cette familiarité qui nous le met sous les yeux, qui est nous, cette espèce de matière extérieure qui est aussi nous, eh bien cette matière est inconnue en tant que telle. Elle est fréquentée, elle est en proximité, mais on la connaît finalement relativement mal. Donc il y a un mystère finalement de ce moteur qu'est le corps, et une sorte de difficulté à réussir cette union ou cette fusion qu'on aimerait. On est toujours un petit peu en décalage, on est toujours dans l'incertitude. Le corps nous fait quelques surprises régulièrement, et peut-être plus qu'à son heure lorsque le vieillissement se confirme. Donc il y a cette dimension première d'un corps presque absent au cœur même de sa familiarité. Si on rajoute à cela un deuxième niveau qui est celui de l'invisibilité ordinaire, ce corps à la fois très mystérieux parce que matière est trop proche de nous pour que nous le saisissions exactement, est aussi un corps que nous avons pris l'habitude d'utiliser. Or, là encore, Sartre exprime très très bien l'absence du corps utile. Un corps utile, c'est un corps qu'on traverse. C'est un corps qu'on emmène vers un objectif, mais on est beaucoup plus tendu vers l'objectif que vers finalement le corps lui-même. Un corps en bonne santé, c'est un corps qui n'est pas forcément mieux connu que les autres, c'est un corps qui disparaît dans l'usage, hein, qu'on lui demande d'accomplir. C'est d'ailleurs toute la problématique de la santé au travail, de ces travailleurs qui, en fonctionnant très très bien avec un corps qu'ils n'écoutent que pour l'assujettir à leurs objectifs, finissent par ne pas entendre, très peu connaître, et on connaît évidemment toutes les problématiques du burn-out qui sont liées à cette méprise d'un corps fonctionnel. Donc la plupart des gens qui font un burn-out
ne l'ont pas vu venir parce que jusqu'à hier, ça fonctionnait super bien et on était à fond. Et puis le lendemain, ça ne fonctionne plus. On n'a rien vu venir parce qu'on n'a pas entendu. Donc il y a non seulement, on va dire, un mystère de ce corps premier et deuxièmement, une culture de l'invisibilité du corps qui est finalement mal connue à travers les usages. Et on peut se tromper hein, entre l'efficacité qui fait que mon corps est un très bon moyen et la connaissance, l'intimité ou la conscience effective que je peux avoir de ce corps dans tout ce qu'il est, indépendamment de l'outil que je vois en lui. Or, il me semble que le mouvement, de ce point de vue-là, est une réponse extrêmement intéressante parce que le mouvement est une forme de conscience du corps comme corps et qu'il est absolument central à la confirmation, la constitution et la fabrication d'une identité qui est une identité complète, pas simplement une identité intellectuelle de réalisation, mais une identité accomplie de corps, fait d'idées, fait de corps. Et je vais prendre un exemple très simple, je vais rendre hommage à un de mes anciens élèves qui est chorégraphe, il s'appelle Édouard Hu. Hein, ceux qui sont à la maison, ben vous pouvez faire un double onglet et couper le son et aller voir un vrai mouvement, ce qui est celui de ce chorégraphe. Et il fait des spectacles dans le monde entier. Et il m'a expliqué une fois, il m'a dit la première fois que je me suis retrouvé au Ballet de Genève, eh bien, on m'a demandé eh bien, d'étendre. Alors, je vais le faire de façon silencieuse quelques secondes. Et il m'a dit, le jour où j'ai fait ça pour la première fois, j'ai pris conscience de l'amplitude, j'ai pris conscience de l'envergure, j'ai pris conscience que je ne savais pas, que je n'étais pas à mon corps jusque-là. Et d'un seul coup, ce corps m'est apparu dans sa dimension première. Donc, il y a quelque chose dans le mouvement qui est de l'ordre d'un s'éprouver soi-même, d'une épreuve de soi. Et je dirais que c'est un petit conseil ou une petite inversion que je ferais. C'est pas simplement penser. Il ne s'agit pas simplement de penser à bouger, hein, mais de bouger pour penser, c'est-à-dire bouger pour soi-même se sentir et éprouver une estime de soi qui est liée justement à l'étendue ou à l'amplitude de ce sentiment de moi que je peux donner. Donc le mouvement, est, c'est en ce sens que je dis que c'est une conscience du corps comme corps, c'est-à-dire que cette conscience neutralise en partie hein, la vampirisation de l'idée sur ce phénomène du corps. Donc le mouvement a une valeur interne, une valeur identitaire, une valeur de support et de fabrication de ma propre identité. Et je dirais que la cerise sur le gâteau dans cette exploration, qui peut être une exploration à la fois du mouvement, mais de la méditation. La méditation, c'est un mouvement vers soi qui est un mouvement immobile. On va immobiliser les pensées qui nous empêchent d'être en contact. Et dans ce mouvement immobile, on va faire un pas vers soi, vers ce soi qu'on a pris trop l'habitude hein, d'éteindre et de taire. Et ce corps-là, ce corps un peu élargi, ce corps enrichi d'une estime beaucoup plus ample et beaucoup plus aveugle au départ de soi-même, c'est-à-dire une estime qui n'est pas orientée vers une quelconque utilité, eh bien c'est un corps qui, paradoxalement, pense mieux. On a un philosophe que j'aime énormément qui s'appelle Nietzsche et qui l'a dit de façon étonnante, hein, les vraies pensées, celles qui méritent notre intérêt et le détour, ce sont des pensées qui sont en accord avec le corps, voire même qui sont produites par le corps. Et là, c'est le moment où Daniel Herrero reprend la main grâce à Nietzsche, justement. Alors, je vous cite hein, Nietzsche, parce que on ne peut faire que ça. Hein. « Demeurez le moins possible assis, ne prêtez foi à aucune pensée qui n'ait été composée au grand air. Dans le libre mouvement du corps, à aucune idée où les muscles n'aient pas été aussi de la fête. » Être cul de plomb, je le répète, c'est le vrai péché contre l'esprit. Donc on a vraiment cette idée très forte d'un mouvement support, d'une construction identitaire beaucoup plus fusionnelle avec cet étranger qui sera toujours un étranger à travers la matérialité qu'il compose, mais un étranger qui me devient beaucoup plus ami à travers l'amplitude de ce que je ressens à travers lui. Voilà ce que peut être justement le mouvement, un explorateur de soi et un pas vers soi. Deuxième idée, deuxième vertu du mouvement, ce que j'appellerais l'exploration réaliste. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que le réel ? Qu'est-ce que c'est que le monde ? Eh bien, c'est une matérialité qui se trouve en face de moi et qui est toujours un petit peu incertaine. Je ne sais pas exactement où ça commence, je ne sais pas où ça se termine, je ne sais pas ce que je peux ou je ne peux pas faire. On apprend hein, précisément à se mouvoir lorsqu'on est à l'école et tout petit, à l'intérieur de cette réalité invisible. Or, pour nous, hein, le réalisme, c'est souvent, et le réel se donne à nous à travers sa résistance. Ce qui fait que le réel
m'apparaît effectif, c'est bel et bien sa résistance. On parlait entre nous tout à l'heure, avant de démarrer la conférence du coronavirus, il y a des gens qui n'y croient pas parce qu'ils n'en éprouvent pas immédiatement la résistance sous la forme d'une infection. Et donc, pour eux, c'est très abstrait. Le réel se donne à moi à travers une limitation. Et cette limitation est évidemment un indicateur de réalisme. Et tout le réalisme, c'est une sorte d'apprentissage de là où je dois m'arrêter. Alors évidemment, comme nos sociétés sont très prudentes, hein, nous en avons des représentants aujourd'hui autour de la table, des gens qui prônent une prudence et une préparation, et bien on a tendance à s'arrêter même un peu avant la limite, tant qu'on y est, plutôt que d'aller l'explorer. Et ce qui fait qu'il y a une petite inversion, moi, que j'aime bien réfléchir, c'est le réel est toujours, m'apparaît toujours sous la forme d'une résistance et d'une limite. Est-ce que toutes les limites sont pour autant réelles ? Est-ce que je dois m'arrêter à toutes les limites qui me sont présentées comme étant des indicateurs certains de réalité ? Et bien évidemment, ce qui peut être intéressant à travers le mouvement, c'est pour ça que je le dis réaliste, c'est que le mouvement, c'est un provocateur. Le mouvement, il va aller par sa vitesse, par la surprise, par le décalage, par le court-circuit, il va aller toquer sur les limites qui sont celles éventuellement de tout le monde ou de la norme pour se demander si ces limites sont bel et bien celles et les limites ultimes auxquelles je dois m'arrêter. Alors il y a un enjeu capital pour moi de cette notion-là, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on vive dans le temps d'une existence finie et qu'on s'arrête un peu trop tôt vis-à-vis de marges de manœuvre qui seraient toujours disponibles et vis-à-vis desquelles on se serait finalement interdit, hein, qu'on se serait interdit de franchir. Donc il y a une dimension dans le mouvement qui est une dimension exploratrice, aventurière et provocatrice, c'est-à-dire un petit peu comme, voilà, je vais prendre encore la métaphore musicale, mais je vais aller taper sur la casserole pour voir s'il y a un écho et si effectivement c'est bien l'indicateur d'un réel qui est pour moi indépassable ou si au contraire, il n'y aurait pas des marges pour mon action, mon efficacité, ma liberté, mon inscription, et si je ne peux pas créer justement et faire bouger les limites auxquelles on s'était jusque-là arrêté ou habitué à s'arrêter. Il y a cette très belle phrase du poète René Char, que j'aime beaucoup, « Ce qui vient au monde pour ne rien déranger ne mérite ni égard ni patience ». Donc il y a du dérangement dans le mouvement, mais il y a un dérangement qui n'est pas simplement anarchiste, il y a un dérangement qui est réaliste, c'est-à-dire l'aventure d'un réalisme, la recherche de la limite effective, celle qui correspondra véritablement au terrain d'expression de ma liberté et de mon identité. Alors je ne peux pas parler du mouvement dans cette dimension, on va dire conquérante, exploratrice, aventurière et connectée au grand âge, sans mentionner et faire une petite mention du groupement de Chamarelles et de la construction de Chamarelles à Vaux-en-Velin. C'est un collectif, hein, d'habitants qui... de seniors qui ont envisagé de fabriquer leur habitat. Alors on leur avait donné un cadre, on leur avait dit, hein, jusque-là, bah, vieillir c'est comme ça, voici les opportunités que vous avez, donc vous restez à domicile aidé ou bien vous irez en EHPAD quand vous ne pourrez plus. Et puis ce sont des gens qui disent, bah non, nous on veut être acteurs, on veut franchir cette limite à laquelle on nous a... dans laquelle on nous a fait rentrer, et on veut la franchir par un projet, par une aventure qui est une aventure collective. Ils ont levé 1 500 000 euros, ils ont fait 16 logements, et ils se sont, et ce qui est magnifique pour des gens de 70 ans, ils se sont endettés sur 50 ans, ce qui semble tout à fait impossible et improbable. Et donc ils ont fait bouger cette limite-là, et c'est ce qui est intéressant. Le mouvement, il recrée, hein, des limites effectives, et derrière eux, évidemment, ils promeuvent énormément d'optimisme et de changement potentiel autour, hein, de la question de l'habitat. Et Dieu sait si la question de l'habitat dans le grand âge est plutôt sujette parfois, hein, à des stratégies, on va dire, d'immobilisme ou de protection ou de prudence. Ici, on a quand même des aventuriers que j'aime mentionner parce que je les croise de temps en temps et ils sont plus jeunes que moi, véritablement parce qu'ils ont tout fait évoluer, y compris dans la manière de financer, la manière de gérer l'ensemble de cet habitat d'une façon extraordinaire. Petite anecdote en passant, sur ce mouvement exploratoire, hein, j'ai eu la chance d'interviewer un jour Daniel Prévost sur la sortie de son livre. Je lui ai dit, hein, c'est un livre extraordinaire, tu ne sauras jamais combien je t'ai aimé. Il parle du décès de sa femme qu'il a toujours aimé. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien, il dit, en gros, je suis retombé amoureux. Hein, il dit, parce qu'à un moment donné, j'étais au carrefour. Même mes enfants voulaient me faire rentrer dans la case. Tu es vieux, le soir tombe sur ta vie, tu es veuf, donc on va bien te cocoler, puis tu vas rentrer tranquille au chaud. Et lui, il dit, mais merde, est-ce que j'aurais pas la possibilité à nouveau de m'endormir à côté d'un visage aimé parce que ma femme est partie ? Donc, il y a un moment donné qui est un carrefour, c'est un très très beau livre, hein, celui de Daniel Prévost là-dessus, où il dit, mais en fait,
Non, c'est-à-dire que non, j'y vais, je le tente, je fais ce pas de côté, je fais ce pari. Alors je me fâcherai avec mes enfants, je me fâcherai avec la norme, je me fâche avec la société. Je passe pour peut-être quelqu'un que je ne suis pas, mais j'aime encore, j'aimerais encore. Et effectivement, il aime encore aujourd'hui parce qu'il a fait ce mouvement. Et donc, il a provoqué une limite qui était celle, effectivement, de la représentation générale du grand âge. Et troisième vertu du mouvement, après avoir dit que le mouvement est un socle identitaire, que c'est une piste exploratoire de la réalité, une sorte de réalisme, on va dire, aventureux, aventurier et conquérant, il est aussi relation, parce que le mouvement, c'est une exposition. Bouger, c'est se montrer. Les chasseurs le savent très bien. Et c'est pour ça qu'ils bougent si peu. Enfin, ça dépend des endroits où on les croise. Mais pour le coup, le mouvement me rend visible. Et il est donc une invitation à sortir de soi, à rencontrer les autres. Et donc, le mouvement est très humanisant parce qu'il est au socle et au carrefour de la relation avec autrui, de la relation entre les autres libertés. J'aime particulièrement, et c'est mon fil rouge dans mon ouvrage, parler de Don Quichotte. D'abord parce qu'il est l'incarnation d'un mouvement, il est l'incarnation d'une décision de se mouvoir, d'une décision comme ça qui part de rien du tout. Hein, je vous rappelle la manière dont ça se fait, c'est à mourir de rire, hein, c'est du trop lire et du trop peu dormir. Il lui vint la plus folle idée qui jamais tomba en l'esprit d'un fou. Ce fut qu'il se représenta comme un bénéfice pour lui-même et pour l'humanité de se faire immédiatement chevalier errant. Et donc, c'est parti. Don Quichotte, il part, hein, il va sur les routes, il bouge et il crée. Donc, il inaugure un temps nouveau. Mais ce qui est extraordinaire et moi me fascine dans l'histoire de Don Quichotte, on pourrait en faire vraiment une fable pour enfants dont la morale serait « Regarde comme il s'est fait casser les bras, les dents, les côtes. Regarde tous les coups qu'il prend et rentre à la maison hein, maintenant qu'il est temps de faire la moisson. » C'est ce que lui dit souvent Sancho. Mais l'histoire de Don Quichotte, c'est l'histoire de la rencontre. C'est-à-dire que Don Quichotte, il rencontre Sancho. Don Quichotte, il agrège avec lui dans son mouvement quelqu'un qui est improbable et qui est Sancho Panza. Et Sancho Panza, c'est tout sauf un benêt. Sancho Panza, c'est un homme plein de bon sens qui ne cesse de dire à Don Quichotte « Vous vous trompez, mais je viens quand même. Ce que vous faites n'a pas de sens, mais je resterai avec vous. » Or, la fable, peut-être, et la vraie leçon de Don Quichotte, c'est cette idée que pour sortir de soi, pour s'échapper de soi-même, eh bien, il faut cette aptitude au mouvement, cette aptitude à la rencontre. Et quelque part, cette rencontre entre Don Quichotte et Sancho, elle aurait été impossible si Don Quichotte n'était pas sorti de chez lui pour aller frapper chez son voisin. Et pour lui dire, viens, on va quelque part, on a quelque part où aller. Hein, tu seras un jour gouverneur du Nil, tout ça, on s'en fiche, parce que ce ne sera pas le cas. Mais il leur arrive des choses bien réelles, bien concrètes, hein, jusqu'à une modification des lignes extérieures de la réalité, mais surtout, authentiquement, une amitié extraordinaire. Donc, l'histoire de Don Quichotte, c'est l'histoire de ce franchissement. Hein, nous sommes tous un peu prisonniers de notre représentation, d'une représentation qui nous rend extrêmement solitaires. Chacun ira rencontrer quelque chose de l'ordre de cette destinée et de cette fatalité, et il ira seul. N'empêche que, dans l'intervalle, toute l'humanité que l'on peut déployer dépend fondamentalement de ces rencontres extraordinaires. Or, la rencontre nécessite ce court-circuit, hein, cette interférence, cette sortie. On voit bien que si on fait Don Quichotte à l'envers, on a un homme, un aristocrate décadent qui reste dans sa piôle et un cultivateur prudent qui récolte ses patates. Et les deux ne se croiseront jamais pour ne jamais faire la plus belle histoire d'amitié hein, qu'on puisse connaître. Donc il y a quelque chose dans le mouvement qui est aussi un agrégateur de relations et on va dire un confirmeur hein, de cette liberté ou un déclencheur de cette liberté collective. Voilà, sur les vertus hein, du mouvement que je voulais aborder. Donc, évidemment, c'était ce côté un peu de temporalité, ce côté aussi de fondation de mon identité, de remise en question des limites du réel et, bien évidemment, de rencontre avec les libertés d'autrui et d'entourage avec ces libertés. Alors, évidemment, hein, le deuxième moment un peu de mon approche consiste à interroger maintenant ces vertus du mouvement au regard du processus du vieillissement. Et on voit que vieillir, la définition que j'en donne, elle n'est pas forcément mirobolante, elle se veut claire. Hein, c'est entrer de manière progressive et définitive dans un affaiblissement hein, du corps et dans une perspective voilà, d'affaiblissement du corps
qui peut être, là encore, je prendrai une petite métaphore musicale chantée par Pauline Croze, « Mon corps me tient tête, me fait souvent l'affront de tourner les talons, de partir à l'aveuglette ». Effectivement, vieillir, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le mouvement, on a compris tout ce qui portait, mais le corps, c'est quand même le moteur, et le corps, eh bien, il est quand même dans une perspective qui est assez inquiétante. Or, précisément, hein, contrairement à la maladie, hein, la vieillesse n'a rien à voir avec une maladie. Et si c'était une maladie, à la limite, ce serait mieux, parce que la maladie, elle permet la convalescence. Elle permet de reprendre. Et donc la maladie, elle a une perspective. Être malade, c'est avoir rendez-vous avec la convalescence, dans le meilleur des cas. Or, cette perspective est extraordinaire. La convalescence est un des temps, un des lieux et un des moments les plus extraordinaires de l'existence. Peut-être que je vous parlais de la tension et de la résolution. La tension serait la maladie et la convalescence est le bonheur absolu, c'est-à-dire le fait de recouvrer ses facultés. Ce qui est inquiétant dans la faiblesse, c'est qu'elle elle permet peut-être des rémissions, mais pas de convalescence, malheureusement, et pas de reprise. Donc, c'est ça le point, hein, finalement, très anxiogène du vieillir, c'est sentir ce moteur, sentir cette fondation de tous ces éléments de notre humanité qui est en péril. Et le sentir d'autant moins bien qu'on le connaît mal. Et ça, c'est important parce que je disais tout à l'heure qu'un corps utile, c'est un corps invisible. Mais un corps malade ou un corps faible, c'est un corps opaque. Dans les hôpitaux à Lyon, il y a le concept de corps flou, qui était une drôle de création, mais qui dit très bien ce que c'est. Ce corps qui voilà, m'empêche d'aller vers le monde, ce corps que j'aurais peut-être tendance à dénigrer ou à mépriser, parce que là, il fait bloc. Jusqu'à maintenant, je l'avais nié dans l'efficacité, et voilà qui bloque. Donc, si vous réfléchissez un peu à ça, vous voyez que notre corps est un double absent. Soit il est invisible quand il fonctionne, soit il est méprisé et opaque quand il est malade. Donc, l'idée, peut-être, hein, c'est d'essayer de dépasser cette dichotomie, cette antinomie entre ces deux corps absents pour se réconcilier avec ce corps qui, même s'il faiblit, continue d'être le lieu d'un certain nombre de choix. Donc moi, je vois trois avatars du mouvement, c'est-à-dire trois tentations vis-à-vis de ce processus de vieillissement qui sont des tentations peut-être dangereuses et néfastes. Un, on a tout simplement la tentation de l'immobilité et du repli dont il faut effectivement se prémunir parce que, sentant bien évidemment que le corps répond moins à ce qu'on lui demande, que le corps peut-être a aussi un peu perdu une partie de ses objectifs. Quand on est à la retraite, on n'a pas d'objectifs précis quotidiens de chiffre d'affaires, de rentabilité, etc. Et donc se joue peut-être une forme de prudence excessive et de repli par lequel je demande de moins en moins à mon corps. Et peut-être que j'imagine que ça, c'est une des bonnes solutions à envisager. Alors, je ne peux pas faire une conférence sur le mouvement sans mentionner les chutes. Hein, 400 000 chutes par an, 12 000 décès. Certains mènent en EHPAD de façon non consentie. Il y a énormément de fractures du fémur. Et pour être complètement raccord avec ma conférence, j'ai violemment chuté hier. Et donc, effectivement, c'est assez flippant comme les choses nous échappent. Simplement, il y a deux manières de gérer la chute. Il y a une façon qui consiste à ne plus se mettre en situation de chuter. Donc, ça peut être très intéressant. Mais dans mon parcours, il m'est arrivé de croiser des préparateurs ou des clics, centres de liaison intercommunaux, qui, au lieu de fantasmer le danger de la chute, apprenaient aux gens à tomber. Et donc, voilà une très bonne manière de s'habituer à la chute que d'en faire, de les vivre, de les éprouver, de les expérimenter, de ne pas paniquer et de pouvoir, par exemple, répondre et conquérir l'étape suivante. Bon, ben, comme tu es tombé, tu pars en EHPAD. Excuse-moi, non, ça ne s'est pas si mal passé. Je m'y étais préparé je vais donc rester. Et rester maître aussi de ma décision. Donc le mouvement peut devenir la réponse à la fragilisation du mouvement. Le mouvement est peut-être encore réponse, et plutôt que l'immobilité. Après, deuxième piste, peut-être deuxième avatar, ou deuxième mouvement, ou propension à un mouvement, on va dire, un peu qui aurait perdu son essence première, c'est la gesticulation. Il y a peut-être dans le refus du vieillissement une espèce de défi ultra sportif, une espèce de refus absolu. Et lorsque l'on dit que le corps s'affaiblit, il faut aussi prendre l'information et ne pas simplement se situer au niveau du déni. Je ne peux pas et je dois accepter de ne pas faire ce que je pouvais faire avant. Et donc la gesticulation, l'hyperactivité représente aussi un mouvement qui perd du souffle, qui perd de l'impact, qui perd de l'efficacité et qui peut malheureusement contribuer aussi à donner une forme de non-sens à l'ensemble des actions qui sont les miennes. Donc c'est important aussi de conserver dans le mouvement, cette notion de pertinence de l'objectif et de ne pas se perdre dans des démultiplications qui relèvent peut-être du déni. Et la troisième forme, je dirais, d'avatar du mouvement qui menace
hein, le vieillir, c'est ce que j'appellerais les gestes inhabités. C'est-à-dire que le mouvement, on a dit, c'est un cycle qui peut être extrêmement intéressant parce que ce cycle est un fabricateur du temps. Et ce temps, eh bien, c'est celui de l'habitude. Nos habitudes sont celles qui rendent les choses lisibles à notre échelle et à l'échelle collective. Mais parfois, les habitudes doivent être rompues, doivent être brisées, doivent être cassées. Et précisément, lorsque l'objectif, le sens dont je parlais avec Giacometti, eh bien, s'estompe parce que l'habitude perd le principe même de son démarrage, il peut être utile, là encore, hein, de renouveler et de se méfier de l'inertie propre du mouvement. Donc il y a, dans certains mouvements habituels et d'inertie, quelque chose d'extrêmement négatif et qui peut être, voilà, ce fait de se rassurer en ne faisant plus que ce que l'on sait faire parce que ça a fonctionné. Je reprendrai la question de l'habitat. Il y a beaucoup de seniors qui ne veulent pas entendre parler d'une adaptation, d'une modification, parce que jusque-là, ça a fonctionné. Et même lorsqu'on leur dit, mais là, tu es complètement isolé, tu es dans la campagne, il t'arrive quoi que ce soit, ça n'a pas de sens, ça ne les empêche pas, finalement, d'essayer de capitaliser encore là-dessus. D'où l'intérêt, hein, de se ressouvenir que, que le mouvement est initiateur de temps nouveau et qu'il est aussi une culture de l'incertitude. Alors, le troisième axe, et que, sur lequel je conclurai, qui est une approche, qui une sorte de levier que j'aimerais activer, dans la combinaison de trois notions importantes, la liberté, le corps et le choix, et de bien expliquer que si je veux rétablir ou conserver le mouvement comme attitude, ce serait ça peut-être le sens de mon propos, comment conserver l'attitude du mouvement, le sens de la pertinence de cette attitude du mouvement, et bien il est très important de resituer ce que c'est que l'affaiblissement du corps par rapport à la liberté. Alors je n'ai pas le temps de le faire aujourd'hui, sous la forme détaillée que je pourrais avoir, la forme d'un texte de Sartre qui est magnifique, où il pose une question très simple. Il veut dire, voilà, me voilà tuberculeux, boum, ça me tombe dessus. Il m'arrive quelque chose, ça y est, le corps est touché, et il y a cette idée très importante du seuil. Ça y est, j'ai franchi l'étape, j'ai franchi le cap, me voilà tuberculeux, me voilà invalide, me voilà en fauteuil roulant, ou me voilà incapable de faire ce que je faisais jusqu'à hier. Et Sartre, il dit, est-ce que vous êtes diminué? Est-ce que ça veut dire que je suis diminué, et donc que ma liberté est moindre? Parce que ça, c'est très important. Être diminué dans son corps, est-ce que ça veut dire qu'on a perdu sa liberté? Et Sartre, c'est dans un texte qui s'appelle « Les cahiers pour une morale » en 1980, a une réponse absolument extraordinaire. Eh bien, pas du tout, parce que ma liberté, ce n'était pas ma quantité de corps. La quantité du corps, ça n'est pas ma liberté. Voilà, ce n'est pas ça, la liberté. La liberté, c'est précisément le mouvement de ma conscience. C'est-à-dire que vous et moi, nous ne sommes pas ce que nous sommes, que nous le voulions ou pas. Nous sommes toujours en décalage. Notre conscience nous permet de nous décaler. Autrement dit, ce que nous sommes, c'est ce que nous allons choisir d'être avec ce qui nous tombe dessus. Et ma liberté, que je sois sportif de haut niveau, que je sois multitalent ou que je sois, on va dire, touché par une maladie, c'est de me comporter vis-à-vis de ce qui m'advient et de faire des choix. Donc, ce n'est pas d'avoir tous les choix d'être libre. Et j'aime beaucoup cette nuance, c'est de toujours avoir du choix. Or, j'ai toujours du choix et je prendrai vraiment, et ça j'insiste, c'est un point central, comprendre que l'affaiblissement de mon corps n'enlève rien à ma liberté de choisir. Je continue de choisir, c'est-à-dire je peux justement bouger pour challenger, je peux être peut-être plus prudent, je peux être plus réaliste, ou alors je peux court-circuiter. J'ai des choix, rien dans ce qui m'advient ne me prive absolument de liberté. Et là, je conclurai avec vraiment une histoire qui est bouleversante, et je vous conseille de lire le livre et de voir le film pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est celle de Jean-Dominique Bobby, hein, qui sur le mouvement me paraît être la meilleure inspiration possible pour conclure sur quelque chose de très positif. Jean-Dominique Bobby, c'est l'ancien rédacteur en chef du magazine Elle, qui est victime d'un AVC, et au terme de cet AVC, il est frappé d'un locked-in syndrome, c'est-à-dire d'un enfermement de sa conscience dans son corps. Il ne lui reste plus qu'une paupière pour entrer en communication avec le monde extérieur. Dans sa représentation, il a 48 ans quand ça lui arrive, dans cette représentation, eh bien, la première communication qu'il parvient à formuler via sa paupière au monde extérieur, c'est de dire « je veux mourir, j'ai tout perdu, tout est terminé, mes enfants ont un zombie comme père, c'est fini, donc laissez-moi partir ». Et lorsque ces ergothérapeutes et ces infirmières lui disent « mais nous avons mis en place un système de communication », qui vous permet, grâce à un alphabet qui va vous être présenté, de cligner de l'œil et d'écrire, eh bien, il se réforme complètement et décide pour la première fois d'écrire. Il va écrire un livre qui s'appelle « Le scaphandre et le papillon ». Le scaphandre, évidemment, c'est le corps. Le papillon, c'est l'esprit. Mais le rapport entre les deux donne un témoignage absolument extraordinaire d'une liberté. C'est une liberté, c'est-à-dire qu'il choisit
de travailler encore et toujours en mouvement avec ce scaphandre qui lui tombe dessus. Et c'est absolument extraordinaire de découvrir qu'effectivement, c'est sans doute le seul livre qu'il aura écrit, bien évidemment le meilleur livre qu'il aura écrit par rapport à tout ce qu'il écrivait avant. J'ai rien contre les éditos de Elle, mais quand même, Le scaphandre et le papillon, c'est d'un autre niveau, qui a été adapté de manière extraordinaire au cinéma. Et on y découvre qu'effectivement, cette intuition qu'a Sartre de dire, attention, le corps faiblissant n'emmène pas avec lui une quantité de liberté, la qualité de ma liberté reste la même, j'ai toujours à choisir et je suis toujours en mouvement avec ce qui m'arrive, et c'est tout simplement là que réside le mouvement le plus humanisant de ma liberté. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup Emmanuel Delessert. Merci de cette intervention. Je me permets de revenir vous voir. Restez avec nous Emmanuel Delessert, puisque nous allons poursuivre cette conférence à présent avec toutes ces belles notions que vous nous avez ajoutées sur les vertus du mouvement. On va essayer de les décortiquer et d'en parler en plateau. Restez bien avec nous le temps d'un petit jingle. On s'installe et on échange bien sûr avec vos remarques et vos questions également sur le chat. Alors, on a dit beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses tous. Hein, on était bien sûr autour du plateau à vous écouter, Emmanuel Delessert. Je vois qu'il y a quelques réactions également sur le chat, quelques questions. Je me permettrai de vous les poser, ou sinon je ferai appel à un ami en coulisses, à Antoine, qui prendra la parole pour faire le lien avec le chat. Alors, on va échanger autour de toutes ces vertus du mouvement et peut-être le lien, le rapport qu'on y voit aujourd'hui et que vous, professionnels, vous pouvez... comment vous, professionnels, vous travaillez, en tout cas, avec ces notions-là. Claire Talowski, vous êtes responsable du développement et des activités sociales en Auvergne-Rhône-Alpes pour AG2R La Mondiale, qui est donc un organisme de protection sociale patrimoniale que vous connaissez bien tous. Lucille Billan, juste en face, vous êtes responsable du département prévention senior à la CARSAT Rhône-Alpes, la CARSAT qui est une caisse de retraite, bien sûr, et qui, à ce titre, finance, accompagne des actions de prévention, tout comme AG2R La Mondiale, d'ailleurs, en direction des retraités. Jérôme Villon nous a rejoint également, donc directeur général de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, qui porte ce dispositif, hein, CapForm Senior, il faut le dire. Vous nous le présenterez en fin de réunion, ce dispositif, pour qu'on puisse... pourquoi pas s'y inscrire, bien sûr. Emmanuel Delessert est à nouveau avec nous. Alors, je vais vous demander de peut-être rebondir un petit peu sur ce qu'on a entendu. Moi, j'entends et je fais le lien dans les vertus du mouvement avec la place qu'on a chacun dans le monde aussi. Et puis vis-à-vis de nous, je retiens le lien un peu avec l'estime de soi, notamment. On va évidemment essayer d'en parler. Première question à vous, Claire Talowski, peut-être présenter AG2R La Mondiale rapidement. Alors, AG2R La Mondiale, en effet, c'est un groupe de protection sociale qui gère la retraite complémentaire obligatoire des salariés du privé. Donc, notre fédération, la GERCARCO, nous confie l'encaissement et le décaissement des cotisations des salariés et des retraités. Alors, au-delà d'une institution de retraite complémentaire, on a une politique d'action sociale. Notre politique d'action sociale, elle s'adresse à des futurs retraités, jeunes et moins jeunes retraités. Et notre objectif, c'est quand même, dans un premier temps, de pouvoir leur donner des clés, de l'information, de la sensibilisation sur les clés pour... réussir son avancée en âge, c'est un peu pompeux, mais peut-être avoir un vieillissement harmonieux avec soi-même, avec sa tête, son corps, harmonieux avec ses proches, la famille, ses amis, harmonieux avec son environnement géographique, son lieu d'habitation, son quartier. Donc ça, je crois que notre objectif, c'est vraiment de leur faire prendre conscience qu'il y a des déterminants importants sur l'avancée en âge pour pouvoir le réussir dans la mesure du possible
avec un choix, une possibilité de choix, et qu'on a une vraiment capacité à agir sur ces déterminants, que sont le lien social, la santé, la bonne santé, préserver son capital santé et son environnement. Et je pense que cette capacité à agir, c'est notre objectif, leur faire prendre conscience de ces déterminants et d'avoir suffisamment aussi confiance en eux pour pouvoir agir sur ces déterminants. On parle en anglais d'empowerment, c'est un peu l'idée qu'on aimerait faire passer. Et on le fait soit dans le cadre, en effet, d'ateliers, d'activités physiques adaptées. Prenez confiance en vous et tentez de nouvelles choses, explorez de nouveaux mouvements. Ça peut être également aussi sur sa capacité à agir dans son quartier. On soutient par exemple la Fédération des centres sociaux, où on essaie, dans un souci d'éducation populaire, au retrait leur dire vous avez des idées, des bonnes idées, et le centre social peut vous accompagner pour les concrétiser dans votre quartier, dans votre lieu d'habitation. Donc cette capacité à agir me semble importante et ça fait aussi référence à la confiance en soi. Lucille Billan, même question, peut-être déjà une présentation un peu de vos travaux et vos actions à la CARSAT Rhône-Alpes. Et puis, je voudrais vous entendre rebondir sur cette notion, le lien entre le mouvement et l'identité. Emmanuel, tout à l'heure, vous disiez que le mouvement, c'est une structuration de l'identité aux côtés de notre corps qui est matière finalement. Moi, ça m'intéresse de voir un peu comment vous touchez tout ça du doigt à la CARSAT, ce lien avec l'estime de soi qui est créé par ce mouvement et par cette identité retrouvée. Oui, alors peut-être rappeler effectivement d'abord qui nous sommes. Donc la CARSAT Rhône-Alpes, c'est la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale, c'est une grande maison et habituellement les personnes, quand on parle de sécurité sociale, font assez facilement le lien avec l'assurance maladie, la caisse primaire d'assurance maladie, mais un peu moins avec les autres branches de la sécurité sociale que sont la famille, on connaît les CAF, et la retraite, effectivement, ça c'est le cœur de métier notamment de la CARSAT. C'est intéressant, je rebondirai sur ce que vous dites par rapport à l'identité, mais on parle beaucoup d'estime de soi et de confiance. Et donc j'en profite parce qu'on a un baromètre sur les Français et la sécurité sociale qui vient de sortir vraiment il y a quelques jours et qui nous dit que les Français ont confiance dans leur système de sécurité sociale. Ils sont plutôt méfiants à l'égard de leurs institutions. Mais pour la sécurité sociale, on fait un peu figure d'exception, donc un capital confiance, mais qui nous oblige, nous, à continuer à travailler, à être assez proche des besoins, des attentes des retraités. Et c'est ce qu'on essaye de faire à travers des programmes comme le programme CapForm Senior qui sera présenté tout à l'heure. Alors par rapport à l'identité, si vous le voulez bien, parce qu'en fait ça tombe bien, j'avais trouvé sur notre site internet une citation d'un retraité, enfin un témoignage, parce qu'on a un site qui s'appelle pourbienvieillir.fr où les personnes peuvent donner leur témoignage. Et du coup, pour parler de ce lien entre la confiance en soi et son identité, puisque pour nous, le bien vieillir, entre guillemets, c'est tellement personnel qu'effectivement, ça va dépendre vraiment de chacun. Et c'est ce que vous disiez, Emmanuel, par rapport à la liberté de choix. Et donc, ce témoignage, c'est celui d'Alain, qui a 66 ans. Et j'invite les personnes qui nous écoutent à nous laisser beaucoup de témoignages parce que ça nous est très utile. On apprend beaucoup de vos messages. Donc, Alain, 66 ans, nous dit sur notre site, il intitule son message « Être opiniâtre ». Je cours, je nage, je fais du vélo. Cela me donne un moral d'acier. Bien sûr, comme tout le monde, il y a des moments de doute et d'incertitude. Mais je lutte au quotidien afin de chasser mes idées noires. Et quelle récompense à chaque sortie, je plane. L'anglais et l'informatique viennent compléter, point de suspension, ma formation de retraité. Attention danger, ne pas se complaire dans une vie trop confortable et sans objectif. Bonne chance à toutes et à tous. Voilà, j'ai trouvé ce message d'Alain assez sympathique. Alors, il peut paraître peut-être un peu directif, puisqu'il dit, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, et attention, danger. Mais ça nous a quand même, enfin, moi, ça a attiré mon attention, parce que je trouve qu'on voit bien que l'entrée en retraite, ça peut à la fois être vécu positivement, et à la fois plus difficilement pour d'autres personnes. C'est vraiment une période qui est émaillée de vécus qui sont positifs ou négatifs, du désenchantement ou au contraire une certaine euphorie de se retrouver à la retraite et que finalement chacun va le vivre à sa manière. Donc fort de ça, au niveau de la CARSAT Rhône-Alpes, vous disiez comment vous touchez un peu du doigt ces sujets. On a créé deux offres de services, deux ateliers qui viennent aussi de ce que nous ont rapporté les personnes. Le premier atelier, c'est l'atelier Bienvenue à la retraite. Donc là, on va s'adresser aux personnes qui sont en retraite depuis 6 mois à 1 an. 6 mois parce qu'on sait que les 6 premiers mois, généralement, les personnes, elles ont déjà des projets. Mais 6 mois après, voire 1 an, voilà, les questions commencent à apparaître. Et donc, c'est un atelier qui va se dérouler sur une journée. Il va y avoir entre 10 et 15 personnes. Tous les retraités
qui relèvent de la CARSAT sont invités à ces ateliers Bienvenue à la retraite. Et donc, ils vont échanger entre eux sur cette nouvelle période de vie, les bouleversements, leur place dans le couple, dans la famille, la manière de s'engager dans de nouveaux projets, d'avoir de nouvelles envies. Alain nous parle de l'anglais, de l'informatique. Donc, échanger, partager, échanger les bonnes idées. Ça, c'est vraiment l'objet de cet atelier Bienvenue à la retraite, pendant lequel on va parler aussi d'activité physique, de lien social, etc. Donc ça, c'est une première offre. Et la deuxième, c'est un atelier qui s'appelle Bien-être estime de soi. Donc là, on est vraiment dans le sujet. C'est un atelier qui va se dérouler en 4 séances de 2h30. Et là, on va aussi parler de tous ces sujets, notamment d'un retour sur soi par rapport à ses compétences. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que disent les autres de moi? Dans quoi je me fais plaisir et dans quoi je peux m'épanouir pour aussi reprendre confiance et pourquoi pas s'engager dans de l'activité physique ou dans d'autres projets qui peuvent correspondre aux personnes. Donc on va travailler sur les compétences. On va aussi travailler dans cet atelier sur la communication avec les autres. On fait, pendant tous les ateliers, hein, c'est toujours des petits exercices assez pratiques et on va notamment leur faire découvrir la communication non violente, comment elle se pratique. Donc voilà, on essaye de créer ces offres. Alors c'est intéressant parce que vous parlez de communication avec les autres. L'autre a une grande importance dans le mouvement. Il n'en a pas trop été question, Emmanuel Delesserre, dans votre conférence, mais le mouvement, son propre mouvement, sans l'autre, sans le regard de l'autre, sans l'obstacle aussi qui peut faire changer le mouvement, n'a pas de. Le lien est absolument fondamental, il me semble. Hein, vous pouvez me contredire, hein, Emmanuel, si vous non, le souhaitez. Non, je suis pas philosophe. Mais c'est important, c'est ce que je peux apporter aussi par rapport à la notion de confiance, c'est-à-dire dans l'ordinaire ou la manière dont on perçoit la confiance. Et il y a cette difficulté parfois par la perte de l'estime qui fait qu'on imaginerait qu'il faut d'abord retrouver la confiance pour aller vers les autres. Ce que moi, je suis complètement en porte-à-faux avec cette perspective-là. Et donc, c'est là où le mouvement va intervenir comme un vecteur à la fois de construction identitaire et de rapport à l'altérité. C'est-à-dire qu'au bout du bout, quand effectivement je perds l'estime de moi, quand je me sens fragile, quand je me sens peut-être inutile, eh bien, la solution, c'est les autres qui l'ont. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il faut faire se faire confiance, il faut avoir ce geste-là. Donc, tout mon travail, entre guillemets philosophique, une grande partie de mon travail, porte sur cette distinction. L'avoir confiance est de l'ordre de la sécurité, c'est ronronnant, c'est un sentiment qui m'enferme sur moi-même, alors que le geste, hein, ce geste inaugural, eh ben, il est en mon pouvoir de le faire, et c'est très très important parce que ça signifie que je vais activer des puissances qui, en retour, vont m'amener des choses totalement imprévues. C'est pour ça que je disais au départ sur le mouvement, hein, le mouvement, c'est la gestion d'une incertitude, c'est la gestion d'un déséquilibre, et c'est accepter que le déséquilibre puisse produire une nouveauté, puisse produire quelque chose de surprenant, et quoi de plus surprenant que la liberté des autres. Donc ce lien avec l'exploration et la rencontre, bien sûr, puisqu'on parle du sujet de l'autre, du collectif, je me tourne vers vous, Jérôme. Pourquoi le collectif peut-il jouer un rôle dans notre rapport à l'activité physique, à la prévention aussi? Vous êtes directeur de la Ligue d'athlètes. L'athlétisme, c'est un sport a priori plutôt individuel. Plutôt individuel. Quelle est la place de l'autre dans la performance finalement sportive, même si ce n'est pas une performance de haut niveau, hein, dans nos propres performances sportives? C'est essentiel. Je dirais que c'est même primordial. Emmanuel l'a tout à fait bien exprimé. C'est-à-dire que quand on parle d'une pratique d'activité physique, sans même parler d'une pratique sportive, on sait bien que pour qu'elle soit, j'allais dire, efficace, ou en tout cas pertinente et la meilleure des manières possibles, il faut qu'elle s'inscrive dans la durée. C'est finalement le côté le plus difficile. Pratiquer une activité physique, même si c'est modéré, même si c'est toujours à son rythme et à sa façon, ça demande quand même toujours un effort, et notamment d'enclencher cet effort. Et ce qu'on constate assez souvent, c'est que globalement, quand on démarre une activité physique ou qu'on en reprend une, si on n'a pas pratiqué depuis très longtemps, assez rapidement, on constate un bénéfice pour soi-même. Donc, ça nous donne arrive la notion de motivation, parce que c'est bien ça dont il s'agit, comment on arrive à se motiver soi-même. Et puis, on sait pertinemment qu'avec le temps, il y a mille raisons d'évacuer un petit peu l'activité physique de son quotidien, parce que les enfants, les petits-enfants, d'autres choses à faire, pas le temps, la météo, surtout en ce moment, on est gâté, malgré le printemps. Et c'est là où l'autre est extrêmement important. Et j'allais dire de deux ordres. L'autre, ça peut être
l'encadrant, le coach, la personne qui va permettre, qui va nous permettre de nous guider dans la pratique de l'activité physique pour nous donner les bons gestes, pour nous donner les bonnes répétitions, la bonne intensité et finalement aller chercher ce qu'on recherche, cette notion de mieux-être et de bénéfice pour soi-même. Et puis le deuxième levier, c'est, j'allais dire, le groupe, la force du collectif, le lien social du coup que ça peut générer en pratiquant une activité physique. Quand on est tout seul, c'est compliqué. Quand on est à plusieurs, il y a ce jeu un petit moment. Si moi je suis moins bien, le groupe va m'entraîner et vice-versa. Si le camarade est moins bien, c'est moi qui vais l'entraîner, etc. Donc c'est vraiment cette dimension-là qui fait qu'on arrive à s'inscrire dans la durée. Et c'est vrai pour l'activité physique, c'est vrai aussi pour toute forme de pratique, jusque même au très très haut niveau. Et l'autre aujourd'hui, c'est aussi le numérique. C'est aussi via le web, et on le voit aujourd'hui, qu'on arrive à rentrer en contact avec l'autre, à créer, est-ce qu'on peut appeler ça du lien social ? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, à se motiver aussi, à prendre de l'information, ça c'est important. Oui, et c'est le cas dans le programme CapForm Senior exactement, aussi. Exactement, le numérique a de ça de formidable, que ça facilite finalement le lien, ça permet de donner des rendez-vous plus facilement. Ça permet de rester en contact, ça permet d'obtenir des informations, ça permet d'obtenir tout un ensemble de choses qui sont un peu le fil rouge globalement. Mais ça remplace évidemment pas du tout le présentiel et le lien social. Mais en tout cas, c'est un outil formidable qui permet, on le verra un petit peu plus tard tout à l'heure, en tout cas, nous, on l'a vécu depuis un an avec CapForm Senior, ça nous a donné un vrai accélérateur pour maintenir et développer cette perspective-là malgré le contexte compliqué. Et dépasser ses propres limites. Je vois une réaction sur le chat de Jeanne-Marie Elisabeth qui nous dit « Comment garder un bon équilibre ?» Mais c'est l'inverse, en fait. Il faut se déséquilibrer. Il faut aller dans le mouvement à se déséquilibrer. Claire Talowski, sur cette question du lien social, du groupe, de l'autre, la gestion de l'autre, comment vous faites ? Comment on réussit à intégrer l'autre dans la vie de personnes qui, parfois, l'arrivée à la retraite, c'est toujours ce moment un peu délicat où on se replie. Emmanuel Delessert en a parlé aussi dans son introduction. Alors, je crois que la dimension lien social, elle est très, très importante. C'est, d'ailleurs, on dit que le fait de vivre seul et qu'on ne sait pas par choix, c'est une première étape de fragilité de l'entrée dans la perte d'autonomie. On dit vraiment que la solitude subie favorise l'entrée en perte d'autonomie. Donc l'autre, pour nous, elle est vraiment essentielle. Et je pense que ces dimensions lien social, on y est très attaché, notamment dans le cas du CapForm Senior, c'est de pouvoir proposer en tout cas une dynamique collective qui démarre au même instant. On a fait des enquêtes de satisfaction sur les différents ateliers qu'on a mis en place depuis un certain nombre d'années. Et au-delà de reprendre le sport, de se remettre au sport, d'avoir une performance au vélo, la première chose qui ressort, c'est chouette, j'ai créé du lien avec des gens dans mon quartier, à côté de chez moi. On se donne rendez-vous. Et puis l'idée, c'est ce que dit vraiment Jérôme, c'est qu'une fois que l'atelier va se terminer, que le lien soit suffisamment persistant, présent, pour que les gens se donnent rendez-vous tous les lundis, alors sans coach, pour aller faire de la marche nordique, un autre type d'activité physique. Donc je pense que la notion de convivialité, elle est hyper importante et elle est importante dans toutes les actions de prévention. On a notamment un replay sur le site sur la nutrition. On ne peut pas faire de nutrition sans plaisir, sans convivialité. Faire de la nutrition et bien se nourrir, ce n'est pas être tout seul derrière sa cocotte minute à faire des légumes vapeur. C'est comment on retravaille ce lien de convivialité qui est hyper important pour que les gens puissent s'approprier ce message de prévention. Mais justement, je voudrais rebondir sur cette notion de temps et de cycle. Emmanuel Delessert, tout à l'heure, vous nous disiez que le mouvement existait aussi parce qu'il y avait un cycle, parce qu'il est rassurant aussi, parce qu'il est humain, il est cyclique. Voilà ce que j'avais noté sur mes fiches. Il provoque l'incertitude, mais d'un autre côté aussi, il rassure le mouvement. Je voudrais vous entendre peut-être, Lucille Billan, sur cette notion-là de découverte aussi, le mouvement comme une découverte. On devient conquérant finalement quand on engage le mouvement et quand on sort de l'équilibre. Je voudrais savoir comment vous travaillez avec ces notions-là. Oui, alors effectivement, pour nous, ce qui est important, c'est d'accueillir les personnes comme elles sont. Alors, je ne vais pas paraphraser le slogan d'une chaîne de restauration bien connue, mais en tout cas, c'est les accueillir tels qu'ils sont, en leur disant, voilà, n'ayez crainte, en fait. Passez la porte, allez voir sur le site où sont les activités, où est-ce qu'elles sont proposées, ou essayez-les en visio. Et puis, on va regarder ensemble, avec l'intervenant dont parlait Jérôme, on va regarder quel est votre point de départ.
Et franchement, peu importe le point de départ, il ne doit pas être comme ci ou comme ça. L'important, c'est de l'identifier. Et donc, il y a toujours des tests au départ qui sont faits avec les intervenants pour voir un peu comment la personne se situe. Et en fait, de voir quel est le chemin qu'il va devoir franchir pour avancer et progresser. Et dans toutes les activités physiques, enfin les ateliers d'activité physique qu'on a pu proposer, on constate à chaque fois qu'en début et en fin d'atelier, les personnes gagnent en confiance, elles ont plus de résistance à l'effort. Et donc, effectivement, notre rôle, c'est d'accompagner, c'est un peu de mettre le pied à l'étrier ou en tout cas de montrer, d'encourager pour que les personnes puissent, comme vous le disiez, se mettre en mouvement, prendre un risque, vous disiez se mouiller. Et je pense que c'est vraiment ça, c'est de se dire, bon, peut-être que vous n'êtes pas tout à fait tenté, mais il y a beaucoup d'activités prévues au plus près de chez vous. Nous, on fait vraiment cet effort de vous proposer des choses pour que ce soit au plus proche de chez vous. Poussez la porte, essayez, et puis si ça ne fonctionne pas, peut-être que vous irez sur un autre atelier. Claire parlait de l'alimentation, il y a des ateliers sur l'alimentation, la gestion du stress, il y a vraiment énormément de thématiques, il y a même sur le numérique. Donc effectivement, essayez, mouillez-vous, et puis en fonction de là où vous vous sentez à l'aise, vous rentrerez dans quelque chose et vous rencontrerez effectivement des personnes, puisque nous, c'est aussi très central le fait de travailler en collectif pour que les personnes dialogue, se rencontre, crée du lien. Et très souvent, on a beaucoup d'exemples, peut-être que les personnes nous écoutent, Saint-Laurent de Chamousset, il y a Saint-Étienne, il y a des groupes de personnes qui continuent, une fois qu'elles ont fait des activités avec nous, qui continuent à se voir régulièrement encore aujourd'hui et nous envoient leurs témoignages. Donc pour nous, ça, c'est vraiment réussir. C'est vrai qu'il ne faut pas que le mouvement engage. C'est-à-dire quand on démarre un mouvement, c'est pas, on ne sait pas déjà combien de temps il va durer, jusqu'où on va aller. Tiens, je démarre le mouvement, mais je sais que ça va me durer une heure pour le terminer. Sinon, on ne démarre plus de mouvement. Je fais un petit lien philosophique. Est-ce que, Claire Talowski, comment on fait pour maintenir dans la motivation les personnes qui arrivent, qui testent des activités, comment on fait pour les garder en activité justement? Et est-ce que sur Capform Senior, la proposition, l'offre qui est faite est favorable à tout ça? L'idée du Capform Senior, on n'a pas attendu la CARSAT Rhône-Alpes, puis je veux dire la mondiale, pour créer de l'activité physique. L'idée, nous, c'est de donner une dynamique de pouvoir proposer avec un format distanciel et présentiel. Alors, distanciel qu'on a testé suite à la période de confinement, de crise sanitaire, que malheureusement nous rencontrons depuis une année, c'est de pouvoir démarrer une dynamique, c'est-à-dire on propose un service, un peu du clé en main, et l'idée, c'est de pouvoir s'ancrer sur un territoire pour que, au-delà de la manifestation, du webinaire d'aujourd'hui, des ateliers qu'on va mettre en place sur les différentes villes de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de pouvoir aussi valoriser en fait l'offre du territoire en lien avec les collectivités territoriales, valoriser l'atelier d'activité physique du CCS de Grenoble, du club du troisième âge d'Annemasse par exemple, et d'être dans une dynamique pour que, une fois que AGDR la mondiale et la CARSAT et l'athlétisme vont développer d'autres programmes, que le territoire s'en empare et qu'on puisse valoriser cette offre de territoire. Et ça, c'est important. Enfin, ça fait partie de... Complètement. C'est une vraie dynamique territoriale au niveau... Vraiment de s'appuyer, de s'appuyer sur ce qui existe déjà et de pouvoir donner une visibilité sur l'activité physique qui est quand même encore très sous-estimée en termes d'impact sur l'aspect moral et physique. Tout à l'heure, Emmanuel, nous disiez que le mouvement offre une exceptionnelle détermination. Détermination parce que détermination dans la pensée, c'est presque le lien avec cette pensée positive. Vous parliez, Jérôme, de motivation tout à l'heure. Je voudrais qu'on prenne quelques instants aussi pour évoquer ce sujet-là de la pensée positive, qui est nécessaire aussi au mouvement. Le mouvement crée la pensée positive ou la détermination, mais elle est nécessaire au mouvement. Alors, quelles actions vous mettez en place, justement, pour engager, aider à avoir cette pensée positive? Peut-être Lucille Billan, pour commencer. Oui, alors c'est vrai que la pensée positive ne se décrète pas. Il faut s'entraîner. Effectivement, on ne devient pas positif du jour au lendemain. Il y a quelques clés. Alors nous, on a beaucoup travaillé sur cette notion. On essaye de l'irriguer. Surtout que le moment de la retraite, c'est ce moment où on perd un peu la motivation, où on se dit « bon, ça y est, j'ai travaillé toute ma vie, là, ça y est, je suis à la retraite, je vais calmer un peu le jeu et je vais moins faire ». Et c'est vrai qu'il faut se remettre en route. Il faut se remettre en route, la vie peut être plus paisible, on a peut-être moins de liens sociaux, donc il faut se réinterroger, c'est vraiment se réinterroger en se disant « comment est-ce que j'aborde cette nouvelle période de vie ?».
Et donc, sur la positive attitude, nous, dans l'ensemble de nos ateliers, on essaye de transmettre cette idée du positif, de voir positivement les choses. On a créé un podcast, donc c'est un enregistrement sonore, pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, sur la positive attitude. Donc la série de podcasts s'appelle Dessine-moi un junior et c'est le premier épisode, donc ça montre un peu l'importance qu'on lui conférait, qui s'appelle La positive attitude, c'est partez à la découverte de la pensée positive. Et donc au cours de ce podcast qui dure à peu près 5 minutes, on essaye de parler justement de cette notion de pensée positive et on va essayer de donner quelques idées, quelques petites clés aux personnes pour qu'elles puissent adopter cette pensée positive. Il y a des choses vraiment toutes simples, hein. Par exemple partir du bon pied le matin en essayant de garder le sourire, s'entourer de personnes positives. Voilà, nous tout à l'heure on discutait avant la conférence, je pense qu'on était dans une dynamique positive parce qu'on était content d'être là, de proposer cette conférence aux retraités, donc on était positif et ça nous faisait du bien. Donc s'entourer de personnes positives, c'est aussi quelque chose qui est important, se faire plaisir, penser à soi. Donc ce sont des notions qu'on va aborder dans tous nos ateliers thématiques pour justement que les personnes puissent s'entraîner. Et petit à petit, on pense que ça peut modifier le comportement et puis ça peut entraîner les personnes vers de l'activité physique qui font aussi du bien parce que ça produit des hormones du bien-être. Donc, Emmanuel, vous vouliez réagir. Pour faire une petite approche par rapport aussi bien à l'autre que la pensée positive, un peu philosophique, on vit aussi dans un culte immanent de l'individu et de l'individualisme. Et c'est pas parce qu'on part à la retraite que l'individualisme disparaît. Au contraire, il va ressortir dans toute sa splendeur, malheureusement, qui est pas toujours éclatante. L'individu, littéralement, c'est celui qui se laisse pas diviser. C'est celui qui veut absolument maîtriser tel le roc et qui se laisse pas bouger. Or, ce qui est extrêmement important dans je dirais les leviers, aussi bien pour trouver l'équilibre, pour trouver la positivité, hein, c'est de comprendre que j'ai encore quelque chose qui est en mon pouvoir, c'est d'ouvrir sur cet inconnu, d'ouvrir sur cette incertitude. Et moi, j'aime bien cette formule, c'est de finalement, quand je fais confiance à quelqu'un d'autre, quand je me lance dans quelque chose, quand j'active ce mouvement en direction de quelqu'un, c'est que je vais prendre un rendez-vous avec une partie de moi-même que je ne connaîtrai jamais si je ne fais pas ce geste. Si je n'en passe pas par les autres, je ne saurais pas qui je suis. Ça, c'est tout à fait anti-individualiste. Nous sommes non pas des individus séparés, nous sommes des interférences, des réseaux, des croisements, et notre identité, elle est riche de tous ces croisements, et donc c'est pas parce qu'à un moment donné, je me sens moins costaud que, au contraire, je dois m'interdire ce genre de choses. Et comme exemple de ça, moi, ce qui m'a toujours frappé, il y a le film Tout le monde connaît, Intouchable. La personne qui a inspiré ce film s'appelle Philippe Pozzo di Borgo, c'est un type donc, il s'appelait lui-même le bulldozer, et puis il a un accident de parapente, et il se retrouve tétraplégique. Et dans un très beau témoignage où il rencontre un philosophe qui s'appelle Alexandre Jolien, qui est lui-même un philosophe avec des déficiences natives. Ils discutent tous les deux et Jolien lui dit « Mais où est-ce que tu vas chercher ta force ?» Et Pozzo di Borgo lui dit « Mais moi, j'ai des gens valides qui m'envoient des lettres pour me demander comment faire, alors qu'ils sont malheureux, alors que moi, je suis tétraplégique. » Et donc, c'est complètement incroyable de voir aussi à quel point il y a de la force dans l'interaction. Et il dit « Mais moi, je leur réponds de façon très simple. La solution, elle est juste en face de chez vous. Moi, je ne peux pas grand-chose, je vis au Maroc. Mais vous avez raison de me poser la question. Merci de me poser la question. Mais je peux vous garantir que pas loin, elle y est la solution. Et il faut juste aller taper à une porte qui se trouve autour de chez vous, parce que seul, évidemment, vous ne risquez pas de vous en sortir. Donc il leur dit à la fois, je ne peux rien, mais vous avez bien fait de m'écrire. Et puis, cherchez bien. La force, elle est juste hors de vous, mais encore faut-il effectivement l'activer. Donc ce que vous dites, c'est la pensée positive, c'est pas uniquement quelque chose de personnel. On ne se force pas à avoir une pensée positive. On est dans un environnement qui permet. Pour ma part, la pensée positive, elle vient toujours de l'interaction spontanée qu'on peut lancer avec tout le monde, d'où la difficulté en mode confinement. Mais adresser la parole à n'importe qui, rares sont les gens qui sont prisonniers de leur rôle au point de vous prendre de haut, ils vous répondent. Moi, il m'arrive de court-circuiter des conversations en plein lycée avec des élèves que je ne reverrai jamais. Et 10 ans plus tard, ils me reparlent de ça en disant. Ah oui, lui, on le connaît parce que lui nous parle. Et c'est super important parce que, d'une certaine manière, j'active des forces que je ne soupçonne pas. Mais je suis quand même acteur, je suis moteur de ces forces-là. Et évidemment, quand on va très mal, quand on est très, très mal, la seule, et moi, c'est ce qu'il m'arrive d'expliquer de temps en temps ou de donner comme conseil, c'est mais, de toute façon, la solution, c'est l'autre qui l'a. Mais il faut encore aller la chercher. Donc, c'est pas forcément le psychologue. Hein, c'est simplement quelqu'un que j'aurais mis en action par l'invite, par le don, par la parole, par ce mouvement-là. Claire Talowski, chez AG2R, vous avez mis en place des conférences justement autour de cette pensée positive, cette positive attitude, l'optimisme.
Oui, alors on a mis en place une conférence qui s'appelle « L'optimisme, c'est bon pour la santé ». Ce qu'on sous-estime, hein, le pouvoir du mental encore sur le corps. Alors encore que les sportifs l'ont bien compris, on parle toujours du mental, hein, des coureurs cyclistes par exemple. Et je pense quand même que l'optimisme, on a une manière de voir les choses, c'est aussi un entraînement. C'est une manière aussi de voir les choses, d'appréhender le monde. C'est aussi un entraînement, comme un entraînement pour une course à pied ou une course de vélo. Et on a une sophrologue, hein, qu'on fait intervenir, qui est d'ailleurs en replay sur le site, hein, qui explique comment, même si la vie a ses aléas, hein, la vie n'est jamais merveilleuse ou c'est pas le monde des bisounours non plus, mais comment on peut entraîner aussi notre cerveau de fonctionner de manière plus optimiste. Le verre est plutôt à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est aussi une forme d'entraînement. On a beaucoup de livres, hein, de développement personnel qui existent aujourd'hui. Et il y a certaines formes d'attitude qui permettent, au bout d'un certain nombre de semaines, de changer aussi sa manière de voir. Et on a quand même le pouvoir sur un certain nombre de pensées. Les pensées, elles ne viennent pas toutes seules parce que le monde extérieur nous inculque le fait d'être pessimiste ce matin. On a aussi un pouvoir d'agir et de modifier sa manière de voir les choses. Donc, moi, je vous invite. Alors, j'ai l'impression de faire la publicité pour le site internet, mais quand même, si on l'a fait, c'est qu'on y croyait dur. Sur la conférence, l'optimisme, c'est bon pour la santé, ce qui permet aussi de dire qu'on a un pouvoir d'agir. Voilà, c'est de reprendre aussi cette capacité à agir et que c'est pas parce que l'environnement est parfois morose qu'on est obligé de le subir complètement. On a avec une manière de modifier les choses. Les conférences avec la sophrologue Sylvie Espelet, c'est bien ça. Vous me disiez en préparant ce rendez-vous, Claire, que cette notion de pensée positive, ça représentait le cœur de l'action sociale aujourd'hui. Pourquoi j'ai dit ça déjà? je pense que c'est la capacité à agir. Moi, je pense que c'est vraiment cette capacité que... qui est un des leviers, finalement. Voilà, on n'a pas pouvoir sur tout, mais on a certains leviers d'action pour agir sur, pour soi, pour préserver son capital santé, pour créer du lien social. Nous aussi, hein, en tant qu'institution de retraite complémentaire, créer des conditions favorables pour pouvoir découvrir une activité physique, donner l'occasion de tester la marche nordique, de dire, j'ai jamais fait de sport de ma vie, mais peut-être que là, j'ai moyen de le faire. De pouvoir proposer l'occasion, je sais faire plein de trucs, mais je ne sers à rien. Et alors, de dire maintenant, de valoriser les savoir-faire. Par exemple, on soutient le réseau des accorderies qui permettent de valoriser le savoir-faire à chacun. Alors, ça peut être très basique. Hein. Moi, je ne sais pas tricoter. Ma voisine sait tricoter. Mais par contre, moi, l'informatique, je maîtrise à peu près. Et de se dire, mon savoir, je peux le valoriser et je l'échange contre un cours de tricot, par exemple. Alors, ça peut paraître trivial, mais c'est valoriser tous les savoirs de chacun et de pouvoir favoriser l'échange de ces savoirs. Ça me semble aussi important. C'est favoriser l'estime de soi aussi. Hein. On en revient à ce qu'on disait au départ. Hein. C'est aussi... Jérôme Villon, sur ce mental dont on parle, cette pensée positive, comment les sportifs font-ils? Quel est le pouvoir finalement du mental? Le pouvoir du mental, il est exceptionnel. Il est même totalement insoupçonné encore. Je pense qu'on n'a pas atteint les limites. Mais globalement, je pense que c'est rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire cette notion de l'autre, l'accompagnement de l'autre. Même un sportif de très haut niveau ne peut rien tout seul. Il y en a quelques-uns, mais c'est vraiment extrêmement rare. Un sportif de haut niveau, il est entouré d'une équipe, il est entouré de son coach évidemment, mais tout un staff autour de lui qui va lui permettre de travailler sur toutes les dimensions de la performance. On revient sur la capacité d'agir. Et ce qui est vrai pour le sportif de très haut niveau l'est aussi pour, j'allais dire, tout un chacun. Et nous, on a pris la dimension pour justement essayer de mettre un petit peu en forme tout ça, de ne pas considérer l'activité physique, et c'est ce que je disais finalement en préambule de cette émission, comme le seul élément d'une bonne politique de prévention. C'est-à-dire que nous, on travaille sur cette notion de forme. Par exemple, on s'éloigne de la pratique sportive, on est très très loin de la pratique de très haut niveau. Mais on a choisi le positionnement sur la forme, déjà parce que c'est un concept qui nous paraît à peu près parler à tout le monde. On se lève le matin, je suis en forme, je ne suis pas en forme, on voit à peu près comme où on place le curseur. Et surtout, on travaille cette notion de forme au travers de trois items que sont l'activité physique qu'on met en avant parce qu'elle nous semble être quand même extrêmement importante et surtout elle peut avoir une influence sur les autres. Mais on travaille aussi l'équilibre alimentaire et la notion du bien-être. Plutôt sur le versant psychologique, c'est-à-dire en mettant aussi en jeu ce lien social, toute la partie de la cognition, etc. Donc c'est ces trois éléments-là qu'on travaille en mettant en avant effectivement l'activité physique
parce que, par exemple, on part du principe que si on fait cet effort-là, de pratiquer une activité physique régulièrement, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas de manière suffisamment régulière, on aura peut-être plus facilement tendance à faire attention à ce qu'on met dans son assiette pour contribuer à ce que cet effort que l'on fait puisse finalement se transformer en véritable bénéfice pour soi-même et finalement venir illustrer tout ce qu'on entend sur ce plateau depuis... Le mouvement est une danse, nous disait Emmanuel de Lesserre tout à l'heure. Et dans la danse, il y a le mouvement, mais il y a le temps aussi. On y met beaucoup de choses, évidemment. Juste, il y a un message quand même qu'il faut qu'on fasse, qu'on peut faire passer. L'activité physique, la marche quotidienne que l'on fait chez soi, est-ce qu'elle suffit? Ou est-ce que le mouvement, et en l'occurrence, quand on parle de prévention, il faut aller un peu plus loin, il y a une activité cardiaque à intégrer? Oui, complètement. C'est quelque chose de multidimensionnel. C'est-à-dire que la marche, globalement, c'est vraiment l'activité qu'on a tendance à promouvoir le plus parce que c'est accessible à tout le monde. C'est un effort qui est sur lequel on peut jouer sur le niveau d'intensité, de durée, etc. Mais évidemment, et on le verra un petit peu, c'est tout le sel d'ailleurs du programme CapForm Senior, hein, c'est vraiment ça, c'est de travailler sur, ou en tout cas de renforcer les qualités physiques qui immanquablement, avec l'âge, ont tendance à décroître. Et l'endurance, et j'allais dire, on considère que c'est vraiment la qualité physique le cardinal qui nous permet de vivre du mieux possible au quotidien, mais on peut parler aussi de la force, on peut parler aussi de l'équilibre, on peut parler aussi évidemment du muscle cardiaque qui va immanquablement jouer sur le souffle. Voilà, tout un ensemble de qualités qui nous permettent de vivre tout simplement mieux au quotidien et permettent de repousser ces notions de seuil. Alors, vous allez nous présenter, Jérôme, ce programme CapForm Senior. Peut-être je me tourne vers Antoine en régie, qui a les yeux sur le chat depuis le début de cette rencontre, pour qu'Antoine nous dise s'il y a des questions qui sont passées et auxquelles on pourrait répondre ici en plateau. Ce sera avec plaisir, Antoine. Alors, oui, bonjour à tous. Super. Du coup, une question ou plutôt une remarque de Claudette. Le mouvement est créateur du temps. Notre calendrier est lui aussi généré par le mouvement des cycles planétaires. Ça mérite peut-être. Waouh, dit Emmanuel de Lesserre. Sans doute. Je dirais que ce qui est intéressant, c'est de. Encore une fois, il y a des cycles naturels et il y a aussi cette ligne que j'ai évoquée tout à l'heure qui est ce compte à rebours insupportable. Et je pense que une des manières, notamment de fabriquer un temps humain, c'est pour ça que je parlais du temps des cerises, c'est aussi de se calquer sur les premiers indicateurs qui sont les cycles naturels. Mais quelque part, nous avons une capacité qui est indépendante de tout le reste. C'est ça qui, pour moi, représente aussi toute la force de la culture, c'est de fabriquer des attentes et d'aller en direction de ces attentes. Donc moi, j'ai une autre casquette qui est de générateur, on va dire, d'événements culturels, créateur d'événements culturels. Et donc, on crée des rendez-vous qui sont des rendez-vous, on va dire, gratuits. C'est-à-dire que rien, en termes de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien, hein, ce qu'on fait. Mais quand on voit effectivement 2000 personnes qui reviennent à un endroit qu'on a imaginé quelque part en disant vivement que ça arrive et on est au rendez-vous, effectivement, c'est là toute la force qui donne cette attente et ce désir commun. Et c'est tout ce dont nous souffrons. Et regardez ce qui se passe. C'est peut-être indépendant des planètes, mais le 19 mai, tout le monde a réservé son petit coin en terrasse, son petit café, son petit restaurant. Et on voit à quel point ces rendez-vous-là sont absolument centraux. Donc c'est capital de comprendre que les choses ne viennent pas d'elles-mêmes et qu'il faut nourrir tout cela. Et encore une fois, moi, pendant le confinement, j'ai repris l'organisation d'un nouvel événement en me disant peut-être qu'il sera annulé, peut-être que ça n'aura pas lieu, mais il est absolument indispensable qu'on mette un jalon début octobre sur la route des amateurs de littérature, par exemple, et que nous, autour de ça, et c'est un point vraiment important que je voulais aborder en marge de ce que vous disiez, c'est peu importe qu'on arrive au bout ou pas, et ça c'est quand même un point important dans l'individualisme, c'est garantissez-moi le résultat. Le résultat, il est dans le chemin. J'avais prévu de vous citer Antonio Machado, le poète espagnol, le camino no existe, le chemin, il n'existe pas, il existe parce qu'on marche. Et par exemple, les gens de Chamarelle, ils me disaient, moi j'ai participé au projet, mais j'y habite pas. Et j'ai adoré participer à l'élaboration de ce projet de résidence dans laquelle finalement j'ai renoncé à habiter. Mais l'ensemble m'a beaucoup plu. Et donc c'est super important de comprendre que s'engager dans la création de ces cycles,
est pour nous un repère existentiel et pour les autres qui est tout à fait central et dont on a absolument besoin. Oui, et puis le chemin qui se crée au fur et à mesure du passage finalement et du mouvement évite, et je refais la boucle un peu avec ce que vous disiez au début, évite la gesticulation qui est un des avatars du mouvement probablement. Est-ce qu'on a d'autres remarques pertinentes ou des questions sur le chat ? Tout à fait, une autre remarque de Marie-Cécile. Les limites, ce sont souvent les autres qui nous les imposent, la société. Leurs remarques sont « il est trop tard » ou « à ton âge ». Ou encore « la personne en face rit, se moque ». Il faut vraiment beaucoup d'énergie pour résister seul face à ça. Alors c'est vrai, les limites, on a ses propres limites à dépasser. On a ses propres limites à explorer, mais les autres aussi. Qui veut intervenir là-dessus ? Lucie Bion. Oui, je pense qu'on rejoint un petit peu là, la question du regard des autres et ça me fait penser à un autre témoignage que j'avais vu sur notre site. Alors là, c'était une dame qui s'appelait Lynn, qui avait 70 ans. Et elle disait, plus je vieillis et moins je fais attention au regard des autres. Et donc, plus je vieillis et plus je suis heureuse. Donc là aussi, c'est très personnel, vieillir à travers le regard des autres ou non. Mais force est de constater que malheureusement, on fait face à de l'âgisme dans notre société. On valorise beaucoup la jeunesse et parfois on a la critique un peu facile envers les personnes qui sont d'un certain âge. Or, et nous c'est ce qu'on dit à la CARSAT Rhône-Alpes, on ne fait pas que payer les retraites, on accompagne aussi les retraités dans cette période de vie et on sait qu'ils apportent énormément à la société. On sait que la plupart des bénévoles, la plupart des élus dans les collectivités sont des personnes qui sont en retraite et qui donnent de leur temps. On ne parle pas bien sûr de tout ce qui est silver economy aussi, mais ce sont des personnes qui font bouger aussi l'économie. Donc effectivement, c'est toujours assez triste d'avoir ce type de témoignages qui disent voilà, le regard des autres est compliqué justement à affronter. Donc on est là aussi pour valoriser les personnes et qu'elles prennent ce temps dans ces ateliers de discussion entre elles, d'arguments, de reconnaître leurs propres compétences pour sortir parfois de ces schémas où on oppose les générations. On l'a entendu récemment aussi hein, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. Hein, on opposait les générations. Vraiment, je pense qu'on partage ça ici sur ce plateau. On n'oppose pas les générations, mais les uns font avancer les autres et on est tous interdépendants. Donc voilà, veillons les uns sur les autres et n'essayons pas de nous opposer. Dernière réaction peut-être avant de donner la parole à Jérôme Villon sur cette notion de limite, les limites que les autres nous donnent. Ben, deux choses. Déjà, si on dérange, comme je disais avec René Char, bah, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'on est en train de gratouiller à un endroit où, effectivement, ça fait réagir les autres. Donc, cette réaction peut être complètement inversée. C'est l'indice que je fais quelque chose. Parce que quelqu'un qui ne dérange pas du tout, effectivement, c'est qu'il ne tente rien. Et je reprendrai encore une autre citation, une des plus belles qui m'a été donnée, justement, quand j'ai eu ce type de remarque, qui arrive à tout temps. Hein. On peut avoir à tout âge la sensation d'emmerder le monde parce qu'on a fait bouger une limite. Et à l'époque, c'est un pédiatre plus âgé qui m'a dit, avec son accent cévenol, il m'a fait connaître René Char, il m'a dit « impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Voilà, ça, cette phrase-là, je vous l'offre, elle est absolument magnifique. « Impose ta chance, serre fort ton bonheur, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront ». Et donc, je réponds René Char deux fois. Ouais, ce qui répond parfaitement à la question de notre internaute. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous confier la parole, Jérôme, pour que vous nous présentiez ce programme CapForm Senior. Oui, ben, CapForm Senior, c'est effectivement un programme avec du contenu qui s'écrit sur toute une année, hein, du 1er janvier au 31 décembre, et qui a finalement pour principal objectif de mettre en musique tout ce qu'on vient de dire là ou tout ce qu'on entend depuis une heure sur ce plateau, en accompagnant les gens et pour reprendre ce que disait Emmanuel qui est très juste, finalement en posant des jalons et en essayant de tracer un petit peu un chemin pour permettre aux gens de débuter ou de démarrer une activité physique en lien proche de chez eux, vraiment à proximité. Mais je voudrais peut-être juste commencer par dire qu'avant que ça soit un programme, c'est surtout un état d'esprit, c'est-à-dire c'est un état d'esprit que l'on développe depuis très longtemps finalement avec nos partenaires qui sont la CARSAT Rhône-Alpes, page 2 ans la mondiale, sur finalement quelle est la meilleure des manières, ce que disait Claire tout à l'heure, hein, cette capacité d'agir, comment on peut, parce que c'est aujourd'hui de la palissade de dire faites de l'activité physique, c'est bon pour votre santé. C'est un discours qu'on entend partout, le matin, à la radio, dans les journaux. C'est... Donc, qui est vrai. Hein, non, mais qui est extrêmement vrai, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas aussi simple que ça de franchir le pas.
Donc globalement, ça répond à plein de logiques. Et on s'est posé la question, on a multiplié des réunions, des expérimentations, on a essayé au travers la création d'événements, à travers la création de beaucoup de choses. Et on est arrivé, je pense, à maintenant formater un concept qui est vraiment intéressant. Donc ce programme, finalement, quel est-il et comment s'y inscrire ? Bah, je dirais que ça démarre d'abord, comme je disais tout à l'heure, par s'inscrire dans une certaine durée. Donc ça passe par des rendez-vous réguliers qu'on organise en partenariat avec les territoires, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, hein, ce concept se fait en lien direct avec les territoires. Donc nous avons 5 villes aujourd'hui qui sont déjà inscrites dans le programme depuis fort longtemps, que sont Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, Roanne, Villefranche. 3 nouvelles villes vont venir rejoindre un petit peu le dispositif, donc Romans et Annemasse notamment très prochainement, Bourgoin un petit peu plus tard dans l'année, mais c'est en route. Et donc ces rendez-vous réguliers, ce sont des séances hebdomadaires, encadrées par des coachs avec nos clubs d'athlétisme partenaires, et qui permettent de développer ces rendez-vous, ce fameux lien social dont on parlait, de manière très très régulière. On espère, quand les conditions sanitaires seront meilleures et la météo aussi, pouvoir réintégrer j'espère d'ici la rentrée de septembre, des temps de rencontres trimestrielles qui s'appellent les lundis de la forme, donc pour vraiment aller chercher cette notion de groupe et de participation. Ça, j'ai l'air, c'est un peu le fil rouge. Mais on s'est rendu compte que donner rendez-vous une fois par semaine, c'est très bien, pratiquer déjà une fois par semaine, c'est très très bien, c'est mieux que rien. Mais à notre sens, c'est pas encore suffisant. Donc on a créé tout un ensemble de contenus que les gens peuvent s'approprier eux-mêmes à leur propre rythme, de manière isolée, chez eux, en groupe, avec les amis, en famille, etc. Et donc ça passe par la définition d'un programme qui s'appelle DOMFORM, par exemple, DOM pour domicile, donc qui est né, vous vous en doutez, pendant la période 2020. D'adaptation obligatoire en 2020. Exactement, de réinvention même, et qui consiste par des modules vidéo, des séances vidéo que l'on a tournées avec des coachs professionnels, d'engager les gens pour pratiquer une activité physique chez eux, dans leur salon, dans leur cuisine, avec une vraie notion de la particularité de ce programme, c'est qu'on cherche une notion de progrès, ou en tout cas de progressivité l'activité physique. Donc c'est organisé sous forme de cycles, qui sont au nombre de 6, avec entre 8 et 12 séances par cycle. Et les gens peuvent organiser ces séances quand bon leur semble, avec cette vraie notion d'avancer dans la performance, entre guillemets. Et chacun peut prendre le programme où il le souhaite. C'est-à-dire qu'évidemment, on a affaire à des gens, il y a aujourd'hui plus de 2000 personnes qui utilisent le dispositif de manière complète ou pas. Et chacun a des niveaux de pratiques différentes. Donc c'est illusoire de dire, vous commencez par le cycle 1 et vous allez jusqu'au 6. Donc il y a des gens qui commencent par le 4, d'autres qui commencent par le 1, etc. Donc ça, c'est un programme, le programme DOMFORM, qu'on complète aussi avec des séances d'activité physique hebdomadaires en ligne, hein, en live, qui sont tournées sur ce plateau même et qui sont diffusées tous les mardis. Donc c'est vraiment cette dimension-là où chacun peut un petit peu venir picorer ce que disait Claire tout à l'heure, hein, ou Lucille, c'est cette notion d'apporter finalement le contenu et le fait de dire aux gens, allez-y, on est là pour vous accompagner. Tester, exactement. Et donc ça, c'est toute la partie, j'allais dire, activité physique. C'est-à-dire que si les gens utilisent l'ensemble du dispositif, globalement, ils sont occupés pendant une bonne année pour lancer ce dispositif-là. Mais je disais tout à l'heure, l'activité physique, c'est un déterminant, c'est pas le seul. Donc CapForm Senior, c'est aussi un moyen d'apporter du contenu sur d'autres thématiques. Et c'est à ce titre-là qu'on a lancé un cycle de webinaires mensuels, qu'on appelle les Visio Rendez-vous. Alors juste avant de revenir sur les webinaires, les autres thématiques, de quelle activité physique on parle ? Peut-être que ce serait intéressant pour nos internautes de leur présenter quelques-unes des activités. Oui. Alors sur les séances hebdomadaires, c'est essentiellement de la marche. Donc beaucoup de marche nordique notamment, mais ou de la marche sans bâton, parce que je disais tout à l'heure, c'est effectivement la discipline qui est la plus simple et que beaucoup de monde peut utiliser. Et on le fait donc encore une fois sur les territoires, directement dans les villes, par l'intermédiaire de parcours qui sont identifiés pour cela et encadrés par des coachs
avec donc un parcours de X kilomètres, émaillé de certaines stations sur lesquelles on peut venir pratiquer de l'activité physique, plutôt pour des notions de renforcement musculaire, des étirements, donc vraiment quelque chose de très complet sur cette logique finalement de s'occuper de la matière, pour rebondir sur ce que disait Emmanuel tout à l'heure. Donc voilà pour vraiment le côté activité physique. Et sur cette dimension multidimensionnelle, comme je le disais tout à l'heure, on développe donc ce fameux cycle de webinaires mensuels, donc un par mois, avec des thématiques diverses tous les mois. Le dernier, notamment le mois dernier, c'était Sylvie Espelet, hein, sur cette thématique autour de l'optimisme, qui a d'ailleurs fait un carton absolu. Et puis le prochain, ça sera le 14 juin, je profite de l'occasion pour donner rendez-vous, sur la thématique de l'automassage par le Douyin. Voilà, donc quelque chose qui est quand même assez éloigné des préoccupations plutôt de l'activité physique et sportive. Donc ça, c'est tous les mois, donc jusqu'au mois de décembre. Et puis, on a également, on parlait de numérique tout à l'heure, une de nos préoccupations majeures, c'était finalement d'accompagner les gens au quotidien, puisqu'on sait que c'est l'élément le plus... pour chercher ce levier de motivation. Alors, c'est illusoire de penser qu'on peut mettre un coach chez tout le monde tous les jours. Donc, on a créé une application numérique, éponyme, CapForm Senior, sur lequel les gens peuvent retrouver tout un ensemble d'astuces, des idées de recettes, des conseils sur l'activité physique, des lieux de rendez-vous. Alors, bon, depuis un an, c'est un peu plus compliqué, mais dès que ça vous permettra, il y a un agenda qui vous permet de... Ça va arriver. Exactement, vite. On est optimiste. Qui vous permet d'obtenir tous les événements qui sont à proximité de chez vous, donc créer ce fameux lien social. Et on rappelle que CapForm Senior est présent sur 5 villes, oui, dans notre région, c'est Lyon, Saint-Étienne, Roanne, Villefranche, Grenoble, plus les trois nouvelles qui vont arriver très prochainement dans le courant du mois. Voilà, donc CapForm Senior, c'est ça, c'est un programme encore une fois multidimensionnel où chacun peut trouver son compte, chacun peut s'inscrire à sa manière en fonction de ses envies, de ses motivations, de ses idées. Et je terminerai simplement par expliquer comment les gens peuvent effectivement s'inscrire à ce programme, puisque c'est extrêmement simple. Il y a un point d'entrée prioritaire et quasiment unique, qui est le site internet CapForm Senior, dont Claire a parlé tout à l'heure, et sur lequel on retrouve absolument tout, c'est-à-dire ville par ville, les différentes dates pour se participer aux séances encadrées hebdomadaires, les liens pour télécharger les applications CapForm Senior, les liens pour s'inscrire sur les webinaires mensuels, toutes les informations. Voilà, c'est vraiment un site qui est en constante évolution et qui vous permet de retrouver toutes les infos et tous les détails pour participer. Eh ben, c'est sur ces belles présentations que l'on va... Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, juste pour dire que les personnes qui n'habiteraient pas dans les villes citées peuvent, Jérôme l'a dit, hein, se connecter et suivre les cours qui sont proposés en ligne. Voilà, les villes, c'est simplement les lieux aussi où il peut y avoir des rendez-vous en physique, en présentiel. Donc, on espère que voilà, on va pouvoir les développer. Mais en tout cas, tous les Rhône-Alpins peuvent aller sur le site internet pour y découvrir les activités. La précision est importante. Merci beaucoup. Merci à vous quatre pour toutes ces explications. Vous l'avez compris, hein, CapForm Senior, tapez sur internet, allez voir, inscrivez-vous. Surtout, faites-vous confiance. Je pense que c'est le message qu'il faut transmettre aussi. Faites confiance à vos capacités, dépassez vos limites au maximum et surtout gardez la pensée positive. Les choses vont aller de mieux en mieux. C'est ce qu'on nous dit en tout cas. Donc, profitez-en et je vous souhaite de repousser le plus longtemps possible le vieillissement, bien sûr. Merci à tous.